apprécier et présence Pasteur Terville. Pasteur Terville, vous avez 40 à 45 minutes. Et puis après ça, vous-même, entre-temps, vous avez une question, vous avez commencé à mettre dans le chat là, ou bien vous avez commencé à prendre note. Moi seulement, je vais vous demander autant, s'il vous plaît. Ce n'est pas un club littéraire à faire là. C'est un côté que nous venons apprendre ensemble pour nous changer vie, nous. Pour nous changer vie famille. Nous. Tant pis. Prends un petit bagage dans la présentation ça, et appliquez-le. Moi, je garantis 100% que mariage vous parle pour un pouce de changement. Mariage vous parle pour un kilomètre de changement. Femme va changer avec la présentation ça, je vous dis à la. I believe it. OK? So, c'est avec nous. C'est un honneur pour nous gagner sous cette zone, sous plateforme. Hein? Zami, nous frère, nous. Pasteur Insterville. Qui a commencé ce extraordinaire sa Fondation Mariage. Amen. Merci, frère l'ami. C'est tout un privilège pour nous capables là encore. Une grosse salutation à un série de gros chabouak soulignant, Pasteur François, Pasteur Gaël, Mbawe, Pasteur Jean-Marie. Je dis, on va le chercher jusqu'au délire. Lino, l'autre activité. OK. Oui, nous saluons chaque ami qui est là. Et nous sommes certains que chaque fois que nous venons ensemble, c'est un privilège béni de la part de Dieu pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui répand sur la barbe, descend sur la barbe d'Aaron jusqu'au sur ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme ça que bah, elle est belle lorsque nous venons ensemble. Et là, nous venons ensemble en tant que monde qui marié même c'est puis belle bagaille c'est l'huile et c'est le Saint-Esprit même qui est là et Dieu est là parmi nous parce que le mariage l'amour c'est li nan origine bon Dieu li nan bon Dieu même c'est Dieu la relation c'est Dieu même so l'homme pas capable vivre sans la relation Dieu pas capable vivre si vous permettez capable vous Dieu pas n'est pas éternel, il n'est pas Dieu sans être dans une relation. So, ça veut dire que c'est belle bagaille et pour nous ca dans relation, pour nous dans mariage, monde qui a chance marié, c'est toute une bénédiction lors de chance marié, lors non mariage. Et monde dans bon Dieu bah ouais, c'est un cadeau de la part de Dieu. So, oui, à ce moment-là, nous voulons parler de fondation mariage et m'a laissé ouais si nous capable share our screen et si nous capable n'a fait ça, si nous pas capable tout n'a pas continué avec technologie agent que lié à. Oui, à ce moment-là, n'a parlé de fondation mariage comment que vous tendez là pour monde qui te gagne chance et participer dans et banquet que nous te faire en décembre non ou te ka gagne chance tendez yon ti cal de présentation non et à ce moment-là nous pral ouais si nous ka entrer là-dedans encore pour nous faire parler en long et en large. So, ça veut dire que peut-être ouais. C'est pour la première fois que vous attendez. Et il y a des gens qui ont une chance d'attendre un peu. Et à ce moment-là, on a rentré en long et en large dans la Foundation for a Lasting Marriage. So, pour yon bagay durer, ça dépend de fondation. Mais à ce moment-là, nous allons parler de comment pour capable construire yon mariage, yon kay avec yon famille qui solide. Comment pour construire yon mariage avec yon kay, yon famille qui solide? Nous voulons entrer dans la parole de Dieu déclarée dans Proverbe chapitre 24, les versets 3 et 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Permettez-moi de capable lire pour nous en anglais. Il dit, by wisdom a house is built, and by understanding it is established. By knowledge the rooms are filled with precious and pleasant riches. Proverbe 24, verset 3. So, ici, nous voyons que
gagner yon condition, gagner yon façon que la parole de Dieu, la Bible, proverbe, donc on est proverbe, c'est Salomon, le sage, gagne expliquer qui bagaille que chaque mariage, chaque maison, chaque famille besoin pour y réussir. Chaque mariage besoin bagaille ça. Chaque famille besoin, chaque caille besoin ça m'pral di nou la. Il y a trois bagailles que nous pourrons parler de nous-mêmes. Nous dit chaque mariage besoin, chaque caille besoin et chaque famille besoin. Pour arriver à une famille, il faut commencer dans un mariage. Pour capable gagner un foyer, une maison, un foyer qui est heureux, pour que mariage la jambe et puis que famille hein, capable, une famille qui est heureuse. Faut que li prend li commencer nan base là. So bagay sa yo que nous besoin hein. Well, pas mal chance on va di nou kèk bagay ki pa la dan selon la Bible. Selon la Bible, base fondamentale sa yo, sexe pas base fondamentale là. Émotion pas base fondamentale là. Feeling, you di ke I'm content de coupe kap di, I don't feel the person anymore. I don't feel the person. Mle do feeling pa base fondamental la. Non, feeling pa base la. Et j'en senti ou pou moun nan, ou senti ou ta fon baiser, ou senti ou ta fon caresse, ou senti ou ta fon approcher ve moun nan, oui, bagay sa ou pa base la. As a matter of fact, si ou pa gen base sa, pa gen sexe. Si ou pa gen base sa, pa gen émotion. Si ou pa gen base sa, pa gen feeling. Si ou pa gen base sa, même senti ou pa senti ou ka rapproche ve moun nan. Et mle dou, sans base fondamentale ça ou pas même gen l'amour, pas même gen l'amour. Ou tande n'a parlé de l'amour même tel même etc. Sans base fondamentale ça yo ici dans Proverbe chapitre 24, émotion pas mentionné, sexe pas mentionné, l'amour pas mentionné, feeling pas mentionné, j'en sentir pour mon nan, aucun nan yo pas mentionné, youn nan yo pas mentionné, belle cérémonie nuptiale pas mentionné, regan pile moun ki dépense gros l'argent et qui joue ça et mercredi a mal célébré yon mariage bien loin nan Halley in the Hill nan zone sa gen yon belle maison. Là, c'est mariage seulement yo fait la donne. Mais pour un moun al fon mariage là, fòl gen ti bagay nan men. Fòl gen ti bagay nan men yo et lèm de ça, c'était un bel mariage que nous té wè l'autre bois, même capable dou belle cérémonie mariage, parfait mariage, belle cérémonie mariage, pas qu'un bi foyer, belle cérémonie mariage, parfait yon maison. So tout bagay sa yo vini après nan dossier a. L'amour vini après, sexe vini après, caresse vini après, senti ou vle passer temps avec ou nan senti après, sentiment passé après, parce que si base fondamentale sa yo pas établi, rose ou bal. So what qualifies you to marry someone? I swear, mbadou, ki sa premièrement avant on moun décide pour marier, pour connait que base fondamentale ça yo ou comprendre yo ou assimiler yo ou appréhender yo parce que c'est eux même qui qualifier yon monde pour marier. Ça qualifier yon monde pour marier, c'est sagesse. Ça qualifier yon monde pour marier, c'est compréhension. Ça qualifier yon monde pour marier, c'est connaissance. N'a répéter ça encore s'il vous plaît, excusez-moi, en éducation la répétition est importante. Qui ça qualifier un homme ou une femme pour le marier et pour jouir yon mariage qui heureux? Trois bagay sa yo, c'est la sagesse, c'est la compréhension et l'intelligence, la sagesse. Gagne un client que m'a parlé ensemble avec et avant hier nous t'ai un zoom session, m'a parlé avec monsieur dit pasteur m'pas comprendre. Moi même l'aime dans travail moi m'en forme.
Tout le monde c'est moi qui a demandé parole. Tout le monde c'est moi qui a demandé conseil. Tout le monde c'est moi dans travail là, il a demandé aide. Mais non mariage ça inutile. Pas régler rien pasteur, énervé, mauvais, monsieur frustré parce que l'a comparé lui-même dans travail là avec Jean met Jean li fonctionner dans mariage là, monsieur dit que li pas ka comprendre comment faire li pas ka fonctionner Jean li fonctionner dans travail là. Me dit mon ami posez parce que ou gagner la sagesse dans travail ou parce que li travaille dans tech, monsieur son high tech guy, li son high tech guy making six figure income, high tech guy. Me dit as a high tech ou prend la sagesse de technologie, ou prend la compréhension technologie, ou prend la connaissance technologie, of course, pour que depuis tout le monde qui besoin aide dans travail là faire vinn koto. Parce que ou prend temps pour mettre sagesse technologie sur ou prend temps pour mettre compréhension ou comprendre sujet technologie là, et ou gagner connaissance là. Puisque ou gen trois bases fondamentales sa yo, m garanti ou va faire exploit dans travail là. Mais pour mariage là, ou pas gagner base sa yo, base fondamentale sa yo, ou pas gagner, c'est ça qui fait ou est que ou promet bien passer dans travail là, mais dans mariage là ou zéro barré. And we find that all the time, and since même son pasteur m ka entrer dans dossier ça parce que m gagne autorité et permission pour m'entrer là-dedans. I always say to some of the pastors my colleagues, I said, m dit monsieur, attendez, nous besoin yon onction dans l'école pour pastoral, dans le séminaire, et nous prenons ça, nous pour nous prendre onction pour nous imposer mes sous moun, pour nous prendre nous gain onction pour nous guérir moun, nous gain onction pour la prière. Même gens où est pour mariage là, ou besoin yon l'autre onction pour mariage là, ou besoin chercher yon onction spéciale pour mariage là, parce que si ou pas fait ça, ou ap un gros prédicateur, ou ap un gros monde, gros homme de Dieu, ou bon an imposer les mains, ou depuis ou prier pour moun y guérir, et puis mariage ou même l'ap talonné, l'ap mal passé. Mais assoya, au nom de Jésus de Nazareth, moi déclaré, depuis ces moun qui tendait présentation ça soya, pas de mariage mal passé, parce que même connaissance, même compréhension, même sagesse que moi gagne pour toute l'autre branche de yoa, besoin la connaissance, besoin la compréhension et la sagesse matrimoniale. M'a répété ça encore, même genre, en tant qu'ingénieur, moi al apprendre génie, moi gagne la connaissance du génie, moi gagne la compréhension du génie et moi gagne la sagesse du génie. Même genre avec mariage là, besoin connaissance matrimoniale, besoin compréhension matrimoniale et moi besoin la sagesse matrimoniale. Does that make sense? So puis tout mariage ou ouais, cap mal passé, frère l'ami, my people perish by a lack of knowledge. Point blank, m'y en doit fini présentation là. I think my job is done by saying the sim si lem te fini. Pour m'de kababdou, mariage yo ya péri par faute de connaissance. Parce que c'est pas moins dit, la Bible dit comme ça, il dit que pour que Kaila la capable rempli de richesses précieuses, faut que gagner, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Et la Bible est claire. La Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Mariage a péri par faute de connaissance. Trop souvent, nous avons des hommes et des femmes qui pensent qu'ils sont qualifiés pour entrer dans le mariage, et tandis qu'ils ne sont pas qualifiés pour entrer dans le mariage, parce que pour entrer dans le mariage, il faut être qualifié, et ces qualifications, c'est la sagesse, la compréhension et l'intelligence. La sagesse, la compréhension et l'intelligence, nous parlons entrer dans yo, ces bagages qui qualifient au monde pour capable entrer dans le mariage. C'est au qualifié. Too often, nous jouons un caille qui est toxique. Toxique. Caille, maison en fret, relation en fret, mariage pas de fel pour tes fret. Ou jouons même dans l'église, en pile monde
Non, mariage là toujours, c'est juste pour l'église. Mais chaque monde, là, il sorti dans le service, chaque monde entre dans le chambre, et puis chaque monde passe, quand il chez Marie-Yves, il prend un petit demi, et puis il prend un petit frigide en dedans, à l'entrée dedans, manger avec, m'intéresse manger à un petit frigide, et tandis que madame n'a pas fait manger là, en rien pas parti. Il y a trois gros bagailles qui rendent mariage là toxique, relation toxique, a toxic home. First is coldness, ça veut dire qu'il y a un froideur dans le cas. Marie pas parler avec madame pas parler avec Marie. Coldness makes the home toxic. Coldness li fait Kayla toxique, mes amis. Li fait Kayla toxique. De pour entrer dans coldness, ou entrer, ou fait 24 heures de temps, ou fait 36 heures de temps, ou fait 48 heures de temps, sans parler avec Marie ou madame, là, ça a déjà créé un coldness dans Kayla. Kayla frette ton mab. Mariage pas supposé frette. That's another. Bon Dieu pas créé mariage pour frette. Depuis où 48 heures de temps arrivé, nous pas parler. Problème. Commencer créer un moyen pour nous résoudre problème. Non, because for me, most of my clients who are paying me top dollars every single week to meet with them is to solve those three problems. Trois problèmes que mariage gagne depuis où est pour capable résoudre problème ça yo vite avant que yo éternisé, then you fire every counselor, every therapist qui gagne dans le monde, you fire them. Et les femmes du client, yo, why can't you fire me? Fire me. Lower, mais comment pour fire every counselor out there? Depuis où est après 24 heures de temps pour gagner une sorte de froideur dans Kayla. Là, automatiquement, essayez de s'incapable rapprocher avec l'autre par communication et rapprocher avec l'autre par n'importe façon pour nous rapprocher, parce que immédiatement, il y a une froideur qui commençait à exister après 24 heures de temps, il commençait à grandir, et plus froideur la grandit, c'est plus chaque personne pour le sentir yo confortable puis yo capable rester dans froideur là. Est-ce que ça fait sens? Yeah. Plus ou non froideur et c'est plus ou vin confortable avec froideur ou sentir que ou en forme. Et depuis où est que ou commencer confortable avec froideur dans foyer, bon prendre somme pour me parler avec yon moun aswè. Depuis où est ou commencer confortable avec froideur qui gagne entre eux, Marie avec madame, là, problème non, guetan existe, li pi fort passo. Tendez, oui? De pou wè, ou guetan très confortable avec froideur, problème non, li guetan pi fort passo, you need help. Because God did not create Adam and Eve, did not create men and women to be in coldness, parce que you're là to be each, to support each other, you're là pour capable encourager l'autre, you're là pour chauffer l'autre, you're là pour élever l'autre, you're là pour monter l'autre. And just like I told you at the very beginning, God is not God without relationship, just like men is not men without relationship. For God says it is not good for men to be alone. So let homme senti que li bon, li ok, li en forme avec avec la solitude, la genye yon problème qui pi grand facile. Problème ça doit résoudre rapido presto. S'il pas résoudre, la vin créer yon relation toxique. Yon relation toxique a créé yon foyer toxique. Yon foyer toxique a créé yon famille toxique. Trois bagay qui permettent mariage descendre, yo quitter fondation yo. Premièrement, froideur. Deuxièmement, isolation. When each person is so comfortable to sleep in a different room than each other. Hey, because there is only one marital bedroom. Oui. La Bible pas parler de plusieurs
et lit marital. La Bible parle seulement de lit marital. So immédiatement que Maria avec ou bien madame yo confortable pour séparer le lit marital, l'a créé un grand problème spirituel. Ça a renversé fondation divine du mariage. Ça a renversé le plan de Dieu pour mariage. Ça a renversé la vraie fondation. Parce que non fondation que l'homme avec femme non, yo créé un lit marital. Depuis moun ki marié pas capable à dormir dans même sous même trois dans différents lits. Depuis ou fait ça ou créer ou bien tant Seigneur aide ma soeur pour me parler. Oui ou créer de mariage en dans yon mariage. Tandem. Lorsque ou confortable ou capable séparer le lit marital ou créer deux mariages non yon seul mariage qu'on y a n'importe mauvais esprit qu'a vini alvin coucher avec madame ou n'importe mauvais esprit satanique qu'a vini coucher avec Marie ou parce que Marie ou marié yon moun ki marié li exposé à un mouvement marital. Aïe, est-ce que vous entendez? Yon moun ki marié li exposé, li prone, li excited à un mouvement marital. C'est ça qui fait ouais en pile et ça fait le li facile pour moun ki marié tout de suite, li facile pour moun ki marié fait adultère parce que moun ki marié yo prône. It's easy for them pour exercer, pour exécuter les œuvres maritales. So qu'on y a les maria al dormi nan chanpal, madame nan al dormi nan chanpal, qu'on y a la vin genye deux mariages en dans yon seul mariage, en dans yon seul kay, genye deux mariages. So parce que puisque l'homme marié ou la femme mariée li sujet à des actions, activités maritales, alors que les mauvais esprits capables de réaliser ça, et yo connaît ça très bien, so qu'on y a yo entré dans le mariage là, puis yo fait ça yo vle, à cause que yo a attaqué yon l'autre, et yo passé par moun ki faible. Ceci est vrai, le diable, pour être capable de gâter le plan de Dieu, li pas qu'à gâter le plan de Dieu, lorsque que Adam te pour contre-li, est-ce qu'on comprend mieux à soi? Lorsque Adam t'a vu pour contre-li, le diable pas qu'à gâter le plan de Dieu. Mais lorsque Ève avec Adam, yo vin uni, yo fait yon seul, qu'on y a 100 ans passé, li déconnecté, li entré, là, il parlait avec Ève, li fait yon activité relationnelle avec Ève, so qu'on y a une activité relationnelle là, li qu'a gâter le plan de Dieu à travers l'activité relationnelle. Non yon activité sexuelle, mais li entre nan yon activité relationnelle avec Eve. Et c'est ça qui permet plan bon Dieu pour Adam avec Eve, pour l'humanité gâtée, seulement à travers ça. So, même Jean pour mariage, les mari avec madame commencé à bay piyay. Mrele sa bay piyay. Chaque moun dormi nan chanm yo, ou exposer mariage ou à n'importe bagay, ou exposer la attaque, ou exposer la persécution, ou exposer la mauvais esprit, ou exposer la divorce, ou exposer mariage ou à toute bagay, parce que pas gagner de lit marital, gagner yon seul lit marital. Il n'était pas dans le plan de Dieu que gagner de lit marital. C'est pourquoi bon Dieu parlait, la Bible parlait de yon seul lit. Cela veut dire que quel que soit ça que tu es capable de passer, nous, si ce n'est pas couteau, n'a fourré dans la gorge, l'autre, plutôt nous dormir dans la même chambre, non, au lieu que nous dormir dans l'autre chambre, parce que nous ouvrons la porte, nous n'avons pas jamais de possibilité pour fermer. Isolation. Isolation is the deadliest weapon against marriage. Wait. Let me say that again. Isolation is the deadliest weapon against marriage. Why, Pastor? Because the Bible says it is not good for men to be isolated or for men to be alone. So that means, comme ils sont ennuyants en théologie, la Bible dit que son mauvais bagay, it is bad
where there is isolation, when man is isolated, it is bad. So mauvais bagay liye. S'il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, cela veut dire que son mauvais bagay liye, lorsque ou utiliser yon l'autre mot pour verser, li son mauvais bagay, isolement. Isolation is the deadliest weapon against marriage. Why? Because the Bible says two are better than one. If two ask something, it shall be given an agreement. It shall be given unto us. So, pigwo piyay, ke an pil mari, an pil madame bay, nan mariage yo, et ki an pil fwa irréparable, chers amis, m'a parlé de expérience que me fait avec client yo. En pile client que mariage yo irréparable, c'est parce que m'aime poser aux questions, demande combien de temps nous fait que chaque moun a dormi dans chambre yo, dans chaque chambre yo. Yo dit moi pasteur 3 mois, 4 mois, 1 an, me dit 2 ans. Me dit what do you want to do in the marriage, pastor? I'm done. Do you need help? No, I'm done. Parce que yo gen tan trop confortable dans isolement et l'ennemi du mariage, l'ennemi de Dieu déjà ouais. Hey, que qui côté route là y est puis au passé et ennemi en passé là depuis ces bagailles mon Dieu créé, nous connaît ennemi en pas well. Nous parler de trois bagailles toxiques qui rend yon mariage irréparable. Premièrement, froideur. It was not meant for men and women to be in coldness. Deuxièmement, isolement. Isolation is the deadliest weapon that makes the home top, qui fait ka la toxique, qui fait mariage la toxique, et qui fait foyer toxique, qui fait relation toxique, qui fait tout quand on passe li toxique. Ou pou chom wè moun ki marié, ou ka wè sa clair, ou et pa tripotage nou al fè non, mais veye pou wè. De pou wè y a pa nan fête ensemble. Et puis quand y a chaque moun rivon kote yo chita, de pou wè yo pral l'église ensemble. Il y a fait 3 mois, 4 là, on va jamais chita ensemble. Des pour n'importe côté pour aller, yo pour la société, yo paraît, yo fait acte de présence, mais yo pas ensemble. There's no that there is a major problem in this marriage that nobody has to tell you because it is not good for men to be in isolation. Homme marié, femme mariée, li pa bon pou yo dans l'isolement parce que depuis yo entré dans isolement, sak passé, yo ouvert yon porte bien grand pour ennemi, l'ennemi de Dieu, l'ennemi du mariage, fait ça le faire. Et troisième bagay, qui rend yon foyer, yon mariage toxique, et l'el toxique la li irréparable, c'est yon continuité de argument, ap jouer tout le temps, ap di l'autre bêtise, ap di l'autre vie parole. Nan mariage, you speak life. Nan mariage, ou que parole ou assaisonné de sel. Nan mariage, que parole ou bon. Nan mariage, que parole ou élevé. Nan mariage, que parole ou encouragé. Et nan mariage, l'aime ta réalisé, m'di on bagay ki blessant. Immédiatement, me réparer. À cause moins humain, je dois dire un bagage qui froisse mon nan sans pas même porter attention à ça, mais li réparer normalement. Gagner 3 bagages qui rend mariage toxique, qui rend kala toxique, et depuis le toxique, li gagne en pile chance pour arriver dans un moment, non lieu de non retour. Premièrement, froideur. Deuxièmement, isolement. Troisièmement, argument à continuer. De pouè moun sa yo, chaque fois que yo vini, yo font si conversation, c'est jouré, pour me dire, Seigneur, attends, regard de flamme, fais grâce, pardon, Seigneur, grâce, parce que mariage ça a besoin la grâce de Dieu, sans c'est pas ça, pas gen aucune façon pour le réussir. Let me tell you this, do you know 60% of people who went and see a counselor, they not successful. 60% mariage, kalwe counselor, you pas successful. Did you know that? 60%.
Why? Pour qui ça 60% moun kal non conseiller yo pas réussi, c'est parce que they already made up their mind before they even saw the counselor. Yo déjà prend décision déjà, yo déjà arrivé non moment que mariage là irréparable, inchangeable, inaltérable. So kon ya yo al wè yo counselor pou yo ka di que they have tried and done everything but they already made their mind. So the best thing to do is what I'm doing now. How to save your marriage is not in front of a counselor. Although that's what I do every week. Est-ce que t'entends? Malgré ça me fait chaque semaine, même vle dou. Meilleure façon pour sauver mariage ou c'est pas à louer un conseiller, mais c'est ça n'a fait là qu'on y a. C'est ça n'a fait dans safe zone qu'on y a là. C'est ça stand of less than for family is doing now. We giving education, we giving wisdom, and we giving knowledge. We give you knowledge, we give you wisdom, we give you understanding. De pou genye bagay sa ou pratike yo, then you save your marriage. But 60% moun kal wè yo conseiller matrimonial pa réussi nan mariage yo. So comment pou réussi? Fire your therapist, fire your counselor. Fire me, vini nan safe zone every other Sunday. Ale nan ni koto tande genye yon séminaire pou mariage, ale la. Koto tande genye yon convention pou mariage, ale la. I guarantee you, with that knowledge, with that wisdom, with that understanding, you already saved your marriage. But always a counselor, when it's too late, you already made up your mind, it's too late. Well, you cannot save it. So the key to keep toxicity out of the house, clé pour capable quitter mettre toxique bagage toxique dehors dans kala et ça me doula. Ou besoin connaissance. Tendez oui, dans des samedi oui, une seule bonne trois bagages qui rend mariage là toxique. Tendez. Ma bon trois bagailles qui pas même fait sens pour connaissance. Lorsque connaissance sur comment pour mettre froideur dehors ou mettre froideur dehors. Lorsque connaissance comment pour capable mettre pour capable mettre isolement dehors ou mettre isolement dehors. Lorsque connaissance pour capable comprendre langue. Langage mari ou langage madame ou connaît the five love languages ou comprendre langage l'amour mari ou comprendre langage l'amour madame ou ben c'est ça qui est important pour sauver mariage là. Connaissance. Gagner trois bagailles toxiques qui rendent mariage là foyer toxique, c'est froideur, isolement, argument. Comment pour capable mettre toxicité ça dehors? Connaissance sous froideur, connaissance sous isolement, connaissance sous argument. Trois gros bagages ça, c'est trois gros maladies incurables. C'est yo push people to divorce. C'est yo pousser moun. Because m'va le montrer tout à l'heure comme ça. Fait l'ami 99% moun qui vivait devant juge là y a divorcé, they still love the spouse. 99%. L'homme de ça passé, oh, I still love my wife. Il toujours aimé madame moi, but I simply cannot live with her. Il toujours aimé mari, il toujours aimé madame moi, même pas qu'à vivre ensemble avec elle. Mais si m'apprendre comment pour vivre avec madame moi dans froideur, pour mettre froideur dehors, m'apprendre comment pour vivre ensemble avec lui. L'isolement ta frappé nous. Je compte comment pour vivre ensemble avec l'argument. Then I have that knowledge. Nobody can take away that knowledge from me. And I know exactly what to do in those situations. What you need tonight, what we need tonight to save our marriages is to know exactly what we need to do in every situation, particularly those three. On exactement qui ça vous fait. Les isolements entrés, les froideurs entrés. What do you do? And here's the question.
for every couple, you don't have to answer it tonight. Do you know exactly what to do if un jour, deux jours, trois jours passés, ou est madame ou bien mari ou entré dans isolement? What do you do? Do you know tonight? Ou du moins, premier bagay ou fait ou dit que moi entendé, oh, nèg la gon l'autre bon l'autre femme. Nèg la gon l'autre femme. Ou du moins, ou dit que fille a gon l'autre nèg. Or you try to figure out what's happening. What is it? Can we talk? Can we communicate? Do we have that openness? Are you matured enough? C'est une autre question, on va besoin répondre. Est-ce qu'on a assez de maturité matrimoniale? Si ou est mari ou bien madame ou présentons yon froideur, li présentons yon isolement, li commencer à parler nan kaila, est-ce qu'on a assez de maturité pour adresser sujet ça sans pas aggraver? Let me ask the question again. Do you have enough marital maturity? For if you see isolation, if you see coldness, if you see argument, do you have what it takes to handle this without making it worse? That's what matters in every strong marriage. To make the home beautiful, like treasures, c'est moins que vous faites. I don't know if you can still see my screen, but you see this beautiful living room, it represents it représente mariage. Les ou achete kaila, yo bo kaila sans meuble, vide. Mais c'est ou même avec mari ou avec madame ou qui pour déterminer qui couleur. Qui genre de meuble, qui genre de, qui style, qualité meuble que n'a mette nan kaila qui pou fè bel. So ça c'est même bagay pour mariage. Le bon Dieu la gen mariage nan menou comme yon bénédiction, comme yon cadeau. C'est à moi même de déterminer qui genre de dynamicité m'a créé nan mariage. How beautiful my marriage will be does not depend on God. Oh, listen to me carefully, friends. It is up to God to bless you with a marriage, but it is not up to God to determine how beautiful your marriage is. Bamzu, one of my clients came to me and said, Pastor, help me pray for my marriage. I'm like, no, I will not. I don't pray for marriages if you and your husband are not in agreement to pray for this marriage. Bamzu, utande samzi? Yon client vin kote, li di pasteur, aide me prier pour mariage. Mwen di, est-ce que ou même avec mari ou n'a prié pour mariage? Oh non, pasteur, moi même seulement. Mwen di, that's a waste of my time. Because it doesn't work. Marriage is so special, so delicate, so beautiful, so unique. On seul moun pa ka créer fondation mariage là, c'est deux moun qui pou permettre que mariage la jambe. So, si n'a prié, c'est nous deux pour prier ensemble. Si n'a fait mariage la belle, c'est deux mondes qui pour faire mariage la belle. Ou ton des proverbes créoles qui dit c'est deux bons qui fait bonbon, c'est le mariage. Bonbon, c'est mariage. Ou besoin yon bon mari avec yon bon madame pour gagner yon bon mariage. So, même gens, to make a home so beautiful, just like the Bible says, we need a husband wisdom. We need a wife's wisdom. Oh, va me répéter ça encore. Pour mariage la ka belle, docteur Lamy, moi besoin en tant que mari, besoin la sagesse du mari et madame moi li besoin la sagesse de la femme. Parce que ce sont des choses totalement différentes. La sagesse que madame moi besoin qu'on ait pour li fonctionner bien en tant que femme dans le mariage, la Bible ba li clair pour la femme. Et la sagesse que l'homme en tant que mari a besoin qu'on ait pour fonctionner bien, li ba li, bon Dieu ba li pour l'homme.
So les madame me prend sagesse par là, lui vient mettre en connexion avec sagesse par là, it gives me a beautiful home. It gives me a beautiful touch. Par exemple, moi-même, je dois avoir les yeux verts. Mais où est dans l'image ça? Il paraît avec deux couches vertes. Madame Papa lui dit, ajoutez chaise ça. Il n'est pas obligé ni vert, obligé ni crème. Mais ajoutez-le. Dès pour ajouter la râle vers là, la faire un bel bagaille. So that wisdom, I did not have that wisdom. Only my wife. Only the woman that God blesses me with. Hallelujah. Only her has that wisdom. So pour que Kayla capable belle. Pour que mariage là capable belle, pour nous jouer les trésors cachés dans le mariage, nous besoin la sagesse, la connaissance et la compréhension du mari, la sagesse et la compréhension de la femme. And you have a beautiful atmosphere in the home. This is what Miles Monroe says. Miles Monroe dit comme ça, love does not build or guarantee a successful marriage. Love. Ceci est tellement vrai. 99% monde qui non divorce. Why they divorce is because you dit que I can live with him. All the men say she drives me crazy, but I still love her. Yo toujours aimé une l'autre just because they cannot live with one another, you drive love crazy. Yo tout rend la vie l'autre insupportable. So love is the fruit of wisdom. Oh, m'davlo prend note de ça. M'davlo prend note de ça à soya, chers amis, pour capable connaître, c'est pas l'amour qui c'est base fondamentale, mariage là, mais c'est la sagesse, c'est la compréhension et c'est l'intelligence. Parce que, this is a quote, you can keep it, love is the fruit of wisdom, knowledge, and understanding. L'amour, c'est fruit la sagesse, c'est fruit la connaissance et fruit la compréhension. Ça veut dire, l'yo c'est ingrédient qui rend l'amour. Ooh, l'amour en belle, oh, l'amour en goût, oh, taste that love is good. I feel in love, I am in love. Do you know why you feel in love? You are in love is because there is a man that expresses man wisdom. Et puis, il utilisait connaissance omni. Et puis, il traitait madame li, gérait madame li, li bien vivre avec madame li. And that woman feel love. So, same thing, le mari a dit, oh, m'connais madame, même feel the love, n'expérimente l'amour. Qui ça fait ça? C'est parce que madame utilisait sa sagesse, lui utilisait son intelligence, lui utilisait sa compréhension en tant que femme, et elle fait ça, elle nous amène. The men feel love. And my time is almost over, but I'm going to tell you some of the things qui nous sommes capables de considérer comme la sagesse de l'homme et la sagesse de la femme. Let's continue. Je voulais voir un exemple de qui sa connaissance là. You see, let's take a car, for example. Quel que soit Jean, me remet machine moi. You see, it doesn't matter how much I love my car. I kiss my car. I cherish my car. But guess what? Connaissance machine dit mon bagaille. La connaissance sous machine dim yon bagay. Konya la, genye hybrid cars, en pile nan Tesla yo, gon bagay mwen konen de Tesla mnan. It's either mette gaz la dan pou machine nan fonctionne, ou du mwes, mwen charge machine nan pou l'ka fonctionne. Despite, I love my car so much. So love, cannot do anything for this car, despite I love it. Malgré me reme machine, but l'amour mien pour machine pa ka fanyen pou li. You know what I need? That me, sa besoin ki pou fèm continuer reme machine plus toujours?
ou machine nan ka ale Miami avèm, ou machine nan ka ale nan bel fèt avèm, c'est pas l'amour pour machine nan. C'est pas l'amour pour machine nan que besoin pour machine nan ka menen kote l pralé a, but I need to put gas in the car. I cannot run my car on empty. Si machine nan vide, m garanti ou machine sa despite mremel. Despite j'aimerais mes machines nan, machines ça pas mener aucun côté, besoin show off my car, my Lamborghini, my Rolls Royce, my n'importe belle machine pour me show it off. I need to have the knowledge of the car. And the knowledge tells me j'en machine ça soit mes gaz là dedans ou du moins ou charger. That's knowledge. Without such a knowledge, Dr. Lamy, despite that I love this car, I am going to ask you to tell me that I'm going to tell you that I'm going to put the pack with all the money to pack the car, the machine is inutile, it's not utile for me. Nous et en pile monde qui n'ont un série de mariage mais ces mariages inutiles excusez le terme non m'pas dit ça pour me blesser personne même dit ça pour capable reprendre mariage you love your husband you love your wife but we are useless to one another because we don't use the woman knowledge and the men knowledge to love your husband and love your wife knowledge very important clé. Clé, bagaille clé. Bagaille clé. Tout le monde qui spend time learning, découvrir, apprendre madame, apprendre mari, apprendre comment pour être un mari, apprendre comment pour être une bonne femme, un bon homme, un garantie mariage, ça n'a pas capable pas réussir même là pour un bon mariage quand même. Toute femme qui prend temps pour apprendre comment pour être une bonne femme. Tout homme qui prend temps, comment pour être un bon mari, un garantie, mariage, ça n'a pas capable réussir même parce que c'est la Bible qui dit to build a successful marriage, to build a successful home, to build a successful family, we need knowledge, we need understanding, and we need wisdom. We need knowledge. No relationship works without information. As a matter of fact, en pile mariage, yo aller au décrescendo purement parce que yo pas connaît ça mariage là. Because when I talk to the younger generation, they thought marriage was a bliss. They thought marriage was okay. Depuis me fin marié, mettez le nan autopilot, so quitter mariage la marché. Marriage is work. Let me repeat, marriage is work. You have to work your work. Oh, m'am répéter ça encore. You have to work your work because marriage is work. Sou besoin réussir nan la vie, nan quel que soit bagay ou besoin réussir là dans nan fort travail. Pa gen rien sous terre ou ka joine yo la gil nan mon. If you don't do anything about it, you have to work it. Ou besoin réussir financièrement, faut travailler. Besoin réussir comme as a business owner, you have to work in the company. You have to work hard. Same thing. You need to enjoy the bliss in your marriage. Man, work. Pas gen bagay. Oh, that's another subject. Mais bon, bref, mon Dieu, ça me d'avoir dit. Pas qu'un bagay qui dégradant comme ça, l'un monde a fait face à problème marital. Il dégradant, ou senti ou déprimé, ou désolé. On monde gen droit, docteur Lamy, tende ça m'a dit là bien. On monde gen droit malade. Li find ways li out mentally. But là yon moun a fait face avec problème marital. Oh, moun sa toujours dans désolation. It is hard to find your way out of marital problem. Bon di sa encore. It is hard psychologically, mentally, spiritually,
psychologically, mentally, spiritually, it is hard to find your way out of marital issues. La disant créole. Mentalement, psychologiquement, spirituellement, physiquement, li difficile pour yon moun jwenn yon porte à sortie l'el entre fond nan problème mariage. Ou pa wè moun ki gen problème mariage, yon vin sèche tan kou konsa. Yon vin mes, yon calculé, yon playe. It is son bagay ki intérieurement inné de pou fin marié, brisé coupure qui gagne non séparation mariage c'est tant coup un monde qui blessé avec un gilet et puis qu'on y a ma clarté li pas jamais ka effacer les cicatrices. Écoute chers amis ce soir, les cicatrices qui existaient dans séparation mariage pas jamais sorti dans yon monde même après li vin divorcé et marié avec un autre monde. Bon répéter ça encore. Cicatrice que yon moun te prend nan mariage. Cicatrice ça pas jamais aller même lorsque li vin marié avec un monde, un autre monde nan demain. So pi belle bagay pour faire ou besoin éducation, ou besoin formation which we can call knowledge, understanding and wisdom to save your marriage before it hit rock bottom. So no relationship works without information. Mba prete sou sa quickly bamdou genye vrai source d'information, genye faux source d'information. Gagner vraie source d'information, gagner faux source d'information. C'est pas tout côté, tout monde dans question mariage pour aller prendre conseil. Ça lui-même c'est un série lié pour compte lui. Where screen ça? Right source of information versus wrong source of information. It's a series all by itself parce que on sait le monde qui marié ou pas qu'un monde qui marié, une femme qui marié, toutes amies on sait monde qui single, toutes amies on sait monde qui went through a divorce, toutes amies on sait monde qui pas utile ou rien dans mariage et même c'est monde ça au coller ensemble avec eux. Et puis garçon même ou pas qu'un garçon ou marié et puis tout monde c'est dans bazouillé, dans domino ou celle qui marié la donne. As a matter of fact, il y a nuyon le ou téléphone nan sonné que c'est madame ou pelé y a vrai le regarder monsieur nous regarder monsieur au nèg la retraite femme et tandis que hallelujah marié connaît ça très bien. Chaque homme marié nous tout connaît ça depuis madame nous relé nous paniquer. Yeah, mais ou demande tout nèg qui marié nous connaît ça très clair depuis madame nous relé nous en base nous paniquer. So ça son bagay qui naturel à tout ça c'est vrai. Ay. Mais on n'est qui pas marié par contre mais ça son qu'on y a les nèg là les ou rete non base c'est seulement avec nèg qui pas marié ou y est non base là et puis les fait sa téléphone nous sonner yo paniqué yo relo performe yo relo gado on nèg performe et ou même ou connon pas performe son qu'on y a ou tombé mauvais ou mine avec madame ou hang up téléphone là parce que nèg yo après relo ou performe. Et tandis que the secret of every man who's married is to know that when our wives call and wherever that we are doing, nous tenons à prêcher, nous tenons à enseigner. Ne dis madame nous relé nous paniquer. This is natural to every husband. This is a secret. Oh my God, this is a secret to husbands. Yeah, mesdames, tendez, manon secret pour mari. Yes, that's how we do. It's natural to all of us. Every man who's married, we know that. We know when our wives call, we panic. We feel nervous. Nous tenons à nous mettre n'importe bagay. We feel like, oh man, my wife is calling. Then can I pick up the phone? Should I? Est-ce que je dois prendre le téléphone? Non, qu'on y a bien pas de prendre. This is what goes in our mind. This is natural to husbands. But qu'on y a un bas là du un éclaté du ceci là. And then we get information. Attendez, mon qui marié pas doué prendre information nan men paran yo. Ah. Tande. Information paran doué bon sou mariage ou c'est avant marié.
tout ça que ou pas prendre dans mes parents sous mariage ou c'est avant ou marié et immédiatement ou marié you get no information from your parents if they did not give it to you before you get married too bad so sad c'est ce qu'on dit si ou pas prendre information ou tu besoin prendre dans mes parents yo avant marié hey I'm sorry for you des moun ki marié homme ki marié femme ki marié pas al prend information nan men paran yo etan yo nan on mariage pou yo gérer mariage pa yo est-ce que tande m'a répéter ça encore sept fois moun ki marié pas al prend parole causer conseil nan men paran pou gérer mariage ou because your marriage is different than theirs that's one second La Bible dit ça clair, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ou pas attaché avec maman encore, ou pas attaché avec papa encore, ou pas attaché avec frère encore, ou pas attaché avec sœur. All that I know, they are your parents, they are your siblings. C'est ça qui est pour. But when it comes to your marriage, you disconnect with them. Ou pas connecté avec parents. Quand il s'agit de mariage. Any man, any woman who does that, you're trying to duplicate an unsuccessful marriage in your marriage, pour mariage pa yo, yo réussi la dan, parce que yo te créé dynamicité. Est-ce que t'entends clair? Bon, fait point nan bien passé. Pour mariage pa yo, yo gen 30 ans, yo gen 40 ans la dan. C'est parce que yo te créé une sorte de dynamicité. Ou songez, lèm te montre aux photos living room, non? So, yes, that's what they did. They come together, they build their own living room, their own marriage. Because every marriage is identical and unique. That's why for us counselors, nous connaissons que nous pas ka bay même conseil, nous sommes bay Janine avec Jean. À Pierre avec Pierre. It's impossible pour yon en tant que yon successful counselor, même conseil, to duplicate the same counseling to different couples, because chaque mariage l'identique, l'unique dans son genre, li besoin propre dynamicité et propre façon parle pour traiter. So c'est ça que fait. You go get wrong information. If you go to unprofessionals, capable bon information de comment mariage pa yo a marché, because their marriage is totally different than yours. En avance, time is running. So, y a vraie connaissance, y a mauvaise connaissance. Y a vraie source d'information, y a mauvaise source d'information. Now, that was knowledge. Now, in order to build a successful marriage, successful home, and a successful family, we need understanding. Ça nous le compréhension. Compréhension, c'est la capacité qu'on gagne pour capable prendre yon information pour relier avec yon moun or something. So comprehension is the action of the capability of understanding or relate with something. Là où dit on nous comprend, là on prend ça pour comprendre nos bagages, pour comprendre nos mondes. You can relate to it. In another way, you can put yourself in the other person's shoes. That's understanding. Sou pas prend ça pour comprendre madame. Sou pas prend ça pour comprendre Mario. Ou a joué le tout temps, ou a vexé le tout temps, ou a demandé le pour faire un série de bagages, because li pas gagné capacité et compréhension et niveau pour le faire. There was one counselor qui gen yon fi qui vin kote l as a client. And then the woman says, Mr. So-and-so, m'pral kite marim because I'm not in love with him anymore. M'pare men misi anko. M'pare men tout bagay mande l fè. Mande l fè sa, mande l fè se si, mande l fè se la, mande l fè se la, l bagay m'fè. The counselor said, okay, I hear you. So do me a favor. Fè on liste de tout bagay ou mande mari ou pou le fè yo. Et puis, ou même fè yo pou li. Wow. The woman was shocked. Et puis, counselor a di mamzelle, vin wèm when you done. And of course,
Mamzelle, li fait ça le fait yo vraiment. Tout lis bagay li t'a demandé pour Marie le fait pour li yo, li commence à faire pour Marie. L'a fait pour Marie. And then one month later, li tourne vin wè counselor, li di Mr. So and so, you know what? By doing this, moko chanm remen Marie nan niveau ke mwen men. Understanding. Pourtant, elle dit, m'boko chanm remen Marie nan niveau ke mwen men lan, lem commence à faire pou li, sa mandel pou le faire. Understanding, my friends. Understanding, because understanding is when you can relate to something, you can relate to somebody. That's understanding. When you get yourself in the other person's shoes, when you can do what you ask the person to do, because you do not want to ask somebody to do anything that you cannot do for yourself and for them. So, dans le mariage, ou pas qu'à demander Maria pour le fond bagay que ou pas qu'à faire pour lui, pas demander madame nan pour le faire. Yon bagay ke ou ke li pa ka fè pou ou, so vice versa. Because marriage is a whole. Marriage is not 100%. Marriage is not 50%. Marriage is not 50-50. Marriage is not 100-100. But marriage is a whole. Marriage, le mariage li complet. C'est un boulot tout ou on ke liye. Jodi a, c'est ou même qui fait 100%. De messie ve mwen ke fèl. So there is no such thing in marriage. Oh, ça c'est Maria pour faire ça, ça c'est madame pour faire ça. No, when you understand the knowledge, when you understand the wisdom of a husband, you do above and behind. When you understand the wisdom, when you get the wisdom of a husband, you're not just a husband, you're also a wife. When you have the understanding and the wisdom of a wife, you're not just a wife, you're also a husband, because et les deux deviendront une seule chair. Moun ki marié pas pour compte li encore. Une femme mariée n'est pas seulement une femme, mais elle est une femme et un mari. Un mari n'est pas seulement un mari, mais il est aussi une femme. Et les deux deviendront une seule chair. I'm giving you the wisdom of marriage. When we have such a wisdom, there is no. Nous conseil de problème nous pas même venir avec on encore là. Just like you could do it for your husband could do it for you. So c'est comme ça mariage la marché, son bagage la brassé. Tout mariage ouais qu'a brassé ou pas connait ni sac mari ni sac madame ou pas connait qui les moun payer bill qui les ou pas payer bill ou pas connait qui est signé l'argent qui est qui pas gagne plus l'argent ou pas connait qui est qui a fait plus l'argent qui est qui a fait plus l'argent. Non, ma wife madame we never come to a point pour n'a parler de who makes more money. As a matter of fact, ça pour que jamais rivé in our case, non. On a décidé who makes more money. Do I make more money than you or you make more money than me? No, l'argent c'est l'argent madame moi, l'argent madame moi c'est l'argent. As a matter of fact, if I make no money this week, so my wife makes money, that's my money. That's wisdom. That's knowledge and understanding. And now we need understanding. The understanding tells us that it's through teaching. Through teaching, we need to understand how to love your husband and how to love your wife through teaching. Through teaching. C'est pour prendre enseignement pour comprendre comment pour aimer madame. My wife and I tell you that, n'importe côté n'aller, I speak about that. Les nous pas le marié, they told us that, oh, yo fait rêve pour nous, mon caprié, yo fait rêve pour nous, yo dit que mariage nous pas durer. So we understand that, we take that understanding, and we took it to another level. Pourquoi j'en passe for the 22 years? Brother Lamy, moi m'avait madame, 22 years we've been married, every year we go to one marriage conference. Every year. Non, fun jouer non bagay quand même to empower. We need that teaching. We need that education. We need that empowerment every year. So to reverse every curse, everything that has been said. So we need to know how to love one another. So let me tell you some wisdom about women, and I'll tell you some wisdom about men, and I get out of your way quick. Wisdom. Women, wifi, l'amour fi. C'est pas ni belle rad, malgré yon remè belle rad, malgré yon remè belle chaîne, belle goumette, belle bagay,
belle valise, on sait de gros valises, ouais, mesdames, vous avez mis, c'est bien 4 000 $, 5 000 $, 6 000 $. Il y en a, vous mettez à le prendre, non, et 55th Avenue, New York. Yo prend le code Chinese yo ba la la, but still it's gros mac valise. Ou gen wa ba yon fi gros mac valise, gros mac chain, gros mac bag, gros mac rad made by designer. That's not the way you love a woman. The best way you love a woman, woman's love is spelled with affection. Fi a reme, fi remet affection. Tendez, monsieur, c'est affection. Ou bay fi affection, li bon tout bagay. Si yon fi fâché, ou bal flè, ou bal rad, ou bal bagay, yon nan yon pa fè sens ensemble avec fi. Depuis fi a fâché, ou met fè le cadeau tout bagay, la fonti jan d'accord avon, fonti souri, ou balon bel bagay kon yal fonti souri. Après ça, li go back to the same madness. But lo bay yon fi affection. Parce que fi, they need to be held, they need to be hugged, they need to be kissed, they need to reassure. C'est pour bay fi a reassurance. Fi a besoin pour capable honnête ensemble avec li. I hear some clients that say, Pastor, I cannot trust my husband anymore. I cannot trust him anymore. And the woman needs a leader. Yo besoin moun that takes the lead. Ke ki pou pa besoin tout bagay, se madame nan ki pou a fè. One day, gon client ki te dit, Pastor, we've been married for that long. Mi mon jou Marie Apoko, j'en planifie un petit vacances. Mais mon jour, Marie Apoko, j'en planifie pour dire nous parlons de sortie. Tout le temps, c'est moi. I'm tired of this. You see, wow, that woman, she has everything. She dit tout bagay, but she is hungry for something. She is hungry for the leader. She is hungry for security. But as for men, I'm going fast. You know what men love language is? Ou gen wa bay yon garçon tout manje. As a matter of fact, garçon an pi confortable pou lal achete manje. Kay chez moi pou le pon ti demi au lieu qu'elle manje if you're not respecting her. Tendez mesdames, s'il vous plaît, tendez. Sou respect bay marou, respect qu'il mérite. Pas dire le bêtise, parler le gros papa chien, parler le gros papa c, parler le gars des gros nègres là, sorvo. Non. Où est garçon? En pile madame, brother l'ami, en pile madame, ou comme ça vous faire Mario? They took away the husband manhood. Après ça, moun dit ça. Gan pile madame marié qui retiré, yo retiré manhood Mario. Mario te entré dans kaila avec comme un homme. Mais yo tellement dit le parole, yo tellement dit le bêtise, yo tellement minimisé, yo tellement timonisé, après 5 ans, 6 ans, 7 ans mariage, homme ça qui t'est entré dans kaila en tant que homme li vin tout non ti moun dans kaila. And the worst thing you can do to a man is to cause him not to be a man in his own home. Oh, I must repeat that. The worst thing you can do to a man, amen, is to cause, amen, him to be less of a man in his own house. To take away the lead from him. So, we garçon, ou bay monsieur sexe, il prend et puis il bag aucun attachement avant. Ou fait monsieur cadeau en belle machine, il bag aucun attachement avant. Ou fait le cadeau en belle col, il bag aucun attachement avant. But when you respect that man, you are the best woman ever. Est-ce que beaucoup j'aime ouais? Est-ce que beaucoup j'aime ouais une série de garçons qui quittent belle madame yo, belle madame jaune yo, belle madame mon peau jaune. Excusez-moi, c'est mon culture. Il n'a pas parlé de peau jaune, but not me. Yo quittent belle madame yo, et puis y a le tombé avec un petit Saint-Anise, y a le tombé avec un petit Fibier blanche. Why is that? The psychology behind that is that
Tifi pied blanc ça, give him an ear, li ba li onze oreille, and then tifi pied blanc ça, elevate him, make him feel like a man, make him feel respected, make him feel honored. Tifi pied blanc ça, ou comment ça le fait? Monsieur fait ça, l'acheter on bouteille soda pour lui, on soda, oui. Et puis il dit, oh merci, merci, m'te apprécié soda, oui, qu'on aime pas mériter soda, mais ou quitte ou tout juste quand on sorti, et puis ou achete soda pour moi, et tellement m'apprécié. Dat, c'est amis. Dat, pied blanche. La prend Marie ou non, mais on, et puis ou ap compare ou ap dit, m'pa oué qui sa misé alde là. He is not going after a beauty. He is not going after sex. He is going after respect. He is going after honor. Tande mesdames, mesdames qui marié, mesdames qui poko marié. Ou besoin pran mari ou pour tordel, pour virer, même l'el gade on l'autre femme de yo ali. C'est pour dire le bonjour et puis li couper je l'aller. The best way to do that is to respect your man to the highest level, even he makes no money. I know this is radical. Nobody wants to believe me, but I'm begging you tonight. It is not good for men to be alone. Everybody must be in a relationship. In order to save and keep your relationship with your blessed man or with your blessed woman, tandis mesdames, pi gwo bagay que l'homme a cherché ka yon femme, c'est pas ni sexe, c'est pas ni kol, c'est pas ni cadeau. Yon sèk de fi yo pense yo ka achete l'amour garçon avec cadeau. Non. Men, wisdom tells us, man is looking for a woman who respects him. Et ça fait ou en pile nèg. Yo kite bel madame yo, yo kite professionnel madame yo, yo kite madame yo la, yal nan ti Saint-Anise, paske ti Saint-Anise lan, monte yo, elevé yo, fè yo senti ke yo un homme. Just like I said earlier, let me repeat. The worst thing you can do to a man is to steal his manhood. It's bad. So respect. If you don't respect a man, he won't even want to have sex with you. A man needs to be valued. A man needs to be honored. And most of all, ladies, ou bon travail pour faire, c'est bon Dieu qui baoul. C'est la connaissance qui dit nous ça. La Bible dit, et m'a fait pour vous un aide semblable. The Bible says in English, I will make you a suitable helper. So, ladies, when a man marries you, on ta souhaite gen mesdames qui poko marié là. Yo ka prend bête ça parce que gon série de mesdames qui gen tan kochi, m'pa ka ranger encore. Mesdames qui poko marié yo. When a man marries you, sou te joine ni nan niveau ça, c'est pour 2 ans, 3 ans, 4 ans après mariage là ou mettez-le dans l'autre niveau because you are a helper. As a helper, you empower your husband. Tande mesdames. As a helper, you empower your husband. You play the role of the Holy Spirit. Tande, bibliquement parlant, même mot que la Bible utilisait, même mot grec qu'il utilisait pour le Saint-Esprit en tant que yon aide, c'est même mot ça utilisé pour la femme en tant que yon aide. I will make you a helper. So ladies, you are playing the role of the Holy Spirit to your husband by assisting, by empower, by equip, by honor, by value. And women, we have to create peace in the marriage. And a wife, you must care for your husband. So we need wisdom. Wisdom is the application. Comment pour appliquer connaissance, non? Comment pour appliquer savoir-prendre? Appliquer connaissance, appliquer intelligence. How to apply it in wisdom is to know that I understand my husband's love language and I'm applying it. Gan pil moun, mreme maro, mreme vision, less than for familia.
parce que li genyen application, apply. Too many people learn and never apply. But application is wisdom. Ou pa ka ou moun ki gen sagesse pou ka papa pou pa apprendre à appliquer. Wisdom is application. Let me say that again 7 times. Wisdom is application. Voilà, prenons nos bagailles. Mande bon Dieu pour le bénir avec assez de sagesse pour apprendre à appliquer. Mande bon Dieu ça pour apprendre à appliquer. Because it's the ability to apply knowledge effectively. That's wisdom. Et ça que fait la Bible dit, si gon moun ki manke sagesse, priez, mande sagesse. So aswaya, on ka mande bon Dieu sagesse matrimoniale, sagesse comment pour me gérer ma ligne, sagesse comment pour me gérer madame. Every bit of information that I learn, I ask God to give me the wisdom and how to apply it because it's very important. Wisdom, I'm closing with this. Wisdom is the most important thing in life. Wisdom is the most important thing in life. La sagesse, c'est la chose la plus importante dans la vie. In order to create, to build a strong marriage. A marriage that will last, friends. Un mariage qui le jour où entre la donne ou continuer to enjoy that marriage till death do you part. What we need for every successful relationship is not love first. Is not si pa caresse avant. As a matter of fact, conseil de moun yo obligé à l'apprendre caresser. Obligé à apprendre comment pour faire love. And that's why they have sex therapists. Pour qu'on commence à satisfy your wife, satisfy your husband. Puis au pal coup, y'a l'prend l'autre moun. So that knowledge is important. So what do we need tonight? It's not first sex, it's not love, it's not emotion, it's not feeling. C'est pas ça que nous besoin avant. What I just showed you earlier, l'amour, c'est fuit connaissance. L'amour, c'est fuit compréhension. L'amour, c'est fuit sagesse. I love sagesse parce que la sagesse aide à appliquer tout ça m'apprendre et tout ça m'comprendre. La sagesse aide à m'appliquer. Tout ça m'apprendre, tout ça me comprendre. Et l'aime gain connaissance, l'aime comprendre ça me connaît, l'aime qu'à appliquer ça me connaît. Now I'm talking about for your love. I can do anything just to see the smile from your face. For your love, I will do anything just to see the smile from your face. My job is done. It's been fun. I got it wrong. Thank you. Mes amis, time et nous tous sortis et dans mute, dans silence. Et pour nous dire, ça nous toujours dit bon bagay. Parce que je pense que ce sont les présentations qui sont exceptionnelles. Yes, bon bagay. Dame et tout le monde là. Bon bagay. Well done. Great teaching. Pas oublier, nous voulons dire que sous fait monter et présentation ça fait à travers par les Saints for Family. Qui sont ces organisations qui là pour éduquer, restaurer, fortifier famille, mais à travers travail organisation ça fait, ils ont créé une instance qui est les safe zones, qui sont ces plateformes pour couple que nous bénéficions aujourd'hui à là à travers présentation ça, parce que nous fait contre nous c'est nous même captant des mains ici fondation mariage et nous vraiment béni un moment ça, nous pas de penser pas de bon meilleure façon pour nous vraiment introduire et
nous comprendre même te dit par combien façon pour introduire Marie-Aïe Fondation que c'est pasteur Terville que nous déjà qui ont passion pour voilà. Mais ma, rapidement font un résumé pour moi qui fait rentrer pour me dire que pasteur a dit que il y a trois bagages qui fait mariage à marcher, c'est connaissance, compréhension et sagesse. Et lorsque il y a trois bagages ça yo, c'est trois roches qui sont capables de solidifier mariage là. Et ça m'a apprécié que il était attiré attention nous. Celui il a parlé de mariage qui est toxique. Il dit que il y a trois mariages qui caractérisent un mariage toxique. Il dit que c'est coldness. C'est-à-dire que mon en cold, mon yo séparé une avec l'autre. Il parlait de isolation, c'est deuxième là. Il dit que isolation c'est une outil qui est dangereux pour relation. Éviter isolation à tout prix. Et puis il dit troisièmement c'est une série de disputes d'arguments continus qui pas jamais arrêter. Et parce que elle dit tout que et il dit que tout comment pour nous gérer relation et non, il dit que un mariage qui est toxique crée une famille toxique. Il crée un foyer toxique, c'est ça il dit. Et puis il te dit tout que une façon pour nous gérer et un mariage toxique non c'est connaissance, sagesse avec compréhension. Et il était parlé de ça. Il dit que en plus 60% du monde qui est dans counseling, il pas réussi parce que il a set up mind déjà. Et il était ils font bon tirer aller sur sagesse, sur connaissance pour faire nous comprendre, c'est pas l'amour vraiment qui fait et relation marché, c'est sagesse avec connaissance pour nous tout et apprendre. Et il dit que ça, information sous information non le gomba il remet que de dit que love is the fruit of wisdom knowledge and understanding dit que l'amour il découle de trois bagages ça et ça me dit ramène quoi il dit que et chercher qu'on est qui côté pour information et dernier bagage il dit que il y a deux bagages fondamentaux pour nous connaître il dit que fille pas qu'à vivre sans affection n'est pas qu'à vivre sans respect. Il dit que l'orgon foyer côté que pas gain respect la dame et c'est la dire que ça il pas sentir bien. Il dit que plus gros trouble qui gain dans la vie on est monde qui marche bien c'est trouble dans mariage et en pile fois il dit trouble dans mariage ça il a quitté cicatrice dans mariage qu'a sorti dans mariage ça là tomber dans l'autre mariage et therefore il dit que c'est ça qui fait et l'important pour nous solidifier mariage pour nous fortifier mariage nous pour nous kembe mariage nous et gagne moi qui devons une question pour moi alors connais nous gagne question et mon texte moi il dit que et si non parce que dit que c'est deux mariages parce que c'était avant dans vous attendez c'est deux monde qui fait mariage marché et mon dit et si dans relation la goumé pendant 10 à 20 ans pendant ce temps l'autre mon dans lui-même décider comme c'est d'ado pour pas pour pas prendre embrasser connaissance qu'autant dire pour pas embrasser sagesse pour pas embrasser compréhension ça qui veut faire mariage là il toujours comme si on doit trimer et mon a demandé comment et pour ta gérer et puis deuxième volet question mon a et si mon a un mariage côté que fille a pas jamais traité la respect quelle que soit circonstance quelle que la situation comment mon a ca gérer utiliser connaissance pour gérer ça c'est deux questions mon te voir dans mon texte là que et il te demande de temps pour vous me partager poser question ça après ça ou même qui gagne question ou ca écrire dans chat là ou bien n'a faire avec l'ordre ou ca lever main ou et tant pis s'il vous plaît pas prendre assez de temps nous ta aimer l'ordre poser question dit nous qui côtoyer qui sont prend comment apprécier moment et qui questionne s'il vous plaît parce que t'avais là vous yes le mariage nous dit c'est une institution qui est unique à lui-même très spécial très unique. Le mariage n'existe pas pour moun ki poko marié. So, en d'autres termes, c'est les deux moun mariés yo décidé pou yo vin ensemble que le mariage existait pour yo. Ou la frè lan. So, immédiatement que genyen youn élément yo qui pas vle marcher dans rituel mariage là dans norme et les conditions du mariage pas de mariage puisqu'il n'existe pas de mariage
Nobody can encourage you to stay in the marriage. So Samuel dit là pour finir répondre question sa parent et let's stand for family responsible for what I'm about to say, but this is my personal view. It is okay. L'offre fait tout ça fait ou mande moun nan pou nan wè counseling li pa vle, ou mande pou nan wè pasteur li pa vle, ou mande pou nou la prière li pa vle, ou même ou rete la wap priye pou mariage pou kontou, mache pou sou, fè vite pété kouri, you are not in a marriage, you never been in a marriage because you cannot work a marriage solo. Le mariage n'est pas destiné, n'est pas tracé, n'est pas fait pour un seul monde lutter là-dedans, pour un seul monde goûter là-dedans, n'est pas marché. On ne doit pas n'importe $1,000 à 5 gouttes qu'on y a là. N'importe monde qui là, qui c'est ou même seulement qui a goûté dans le mariage, ou a prié, ou a gêné, ou a marché dans le jeûne, ou a fait tout le bagaille pour le mariage, pour le marché, it will never work. Why? Because marriage was not destined. It was, ce n'était pas le plan de Dieu. Bon Dieu pas tracé pour un seul monde faire le marché, mais c'est deux mondes qui pour faire mariage là marché. So c'est gaspiller prière. Moi-même, je crois dans prière, je crois la puissance de la prière, même quoi dans prière effective. La prière capable faire toute bagaille, mais ou pas le côté moi le fond business pour compte moi, même les job pas de vouloir réussir là-dedans. On pral faire n'importe bagaille pour compte moi même les terre pas veulent me briller la réussir depuis en harmonie avec Dieu en accord avec Dieu mais quand le mariage ou pas en accord avec le conjoint pour la réussite du mariage pas gagner prière pour le répondre sans de monde ça ou pas en accord so marcher pour sous don't hold the ministry accountable for this answer. But this is from a professional and a spiritual understanding Amen. Of what marriage is. Yes. Marché, posou, c'est pas mariage ou là. Mariage ou à gon côté, mari ou là, ou bien madame ou it is somewhere, that person is somewhere. But if you cannot work together in anything, absolutely nothing out there, ou pas qu'à travailler ensemble avec lui. Pour moun sa, c'est pourquoi ou pas dans mariage. C'est pas tout le monde qui est actuellement marié qui n'a un mariage. So that was premier volet. Deuxième volet, après l'ami, c'est si moun al cherche connaissance, yes. Nelson Mandela dit, si ou besoin changer yon moun ou bien yon pays, yon peuple, ou changer avec l'éducation. I believe in the power of education. I think I am who I am in my marriage because of 22 years of education, of marital education. There is no way I would make it, Felami, with all the prayers qui ont fait destiné mariage moi avec madame. There is no way I would make it if I did not have that knowledge. So I strongly believe when my wife and I, we come together, we embrace this understanding, we embrace the knowledge, we understand what it means for us in our marriage, and we apply it, then we'll have a successful marriage. On moun te met al nan jab, al nan lougaou, nan boko, al fè ceci, cela, quelque sa sovle, al fè prière, al li chaple, n'importe sovle against my marriage. When my wife and I, we are in one accord in this marriage, there is no weapon that can come against us to be prosper. You're mute, Felami. Bon bagay. Et mon a dit que on dit que respect important en bas là. Et comment ou comprendre que yon fille qui a fait respect à li balade même, il dit aussi le mon a dit nous dit que c'est bon joyer. Voilà et pour est-ce que vous voulez pour mettre à genou dans mon comment comme si ndado et garçon qui a géré et relation ça s'il pas jamais joindre respect ça. Well, if Felami, garçon pas supposé allemand des filles à respect. A woman who do not respect your husband, you're not a woman. You don't value yourself.
You don't you ou pas positionner dans rôle que bon Dieu metto là ou pas jouir moun que oui a vraiment because to show respect is you ou pas respecter moun nan because à cause de moun nan mais respecter moun nan pour moun yé oh mais Dr. Lou James Dr. James how you doing sir nice to see you in the house yes I'm super excited to see Dr. Good James here. I've been here enjoying the moment. Oh man, yes. Go on. Thank you. So Darlene, I'm sorry we have not been able to talk, but excuse me, I do apologize. I got to apologize to you publicly. No. I parlé avec Frère Ami de ou même oui, Frère Ami keep me too busy. Okay. Merci. Donc, Kouniala et Frère Ami, on l'a pas tim d'aval bay. Non. Non, réponse là encore. You see, respect is earned also. So Marie, non même côté m'a dit ça. Earn your respect. Et marcher, traiter madame en façon pour le cas respecter même. And help her, tendez bien Marie, aider madame pour le respecter. Then I know you know what I'm talking about. Aider madame pour le respect. But it is her duty to respect the man that God bless her with. Attendez, mesdames, c'est responsabilité pour respecter monsieur ça, bon Dieu béni avec là. Just like you respect your dad, just like you respect every man, we find a lot of ladies, Dr. Lamy, you respect every other man except for the husband. That's not right. So, men, help your wife to respect you. Treat her, care for her, embrace her, show affection. She will respect love. Bon bagay. Nous saluons Dr. James. Nous connaissons que nous avons aujourd'hui à là et nous remercions encore une fois qui fait une présentation extraordinaire pour soir fait finance nous avons parlé de famille finance ça fait du safe zone is blessed by this wonderful people nous contemplons nous remercions nous guys for what you are doing to help safe zone et quand il y en a prend question et pas oublier pas une question qui est stupide c'est d'aller en premier bon c'est d'aller en premier. Si tu as une question, ou bien tu as une chat là, ou bien lever mais on pour nous faire la sonde des autres. Et nous avons seulement une minute à deux minutes pour second commenter tout, comme vous dites, commenter mes programmes. Non? Et après ça, pour poser des questions. Donc, pas oublier, ou qu'elle lever mais on, et n'a pas eu. OK? Et n'a pas apprécié ça. Pas oublier, ou suivre Safe Zone avec Lesson for Family, une organisation qui l'a pour éduquer, restaurer et fortifier les femmes. C'est d'aller, vas-y. Et je salue tout le monde qui est sous la plateforme. Passe bon bagay. On a répondu au bon bagay qui tombe à soi. Mais talent la passe, m'gon bagay m'vin mousse ka pou m'en bay. Monsieur yo, m'wode gen tan pran la même devant. Mais ces garçons yo dil, moi même c'est fimier, monsieur a pi accepté. Fok yo tan de voix m'ki dil. Monsieur yo kap goumen pou ki pa jwenn respect nan mesdames yo. Secret fille mais pour une fille respectée gè fik mal élevé tout ça pour le diable bouche li c'est ça qui paraît très ordinaire comme si fille en pas gè facile pour parler noble pour lui même il va même sentir mal élevé même parce que li levé peut-être non area qui stupide moun yo stupide quand ça l'homme nous a parlé même l'yo a dit yo pas connait mal élevé non mais ça y a dit hein li sorti stupide. Gè fik kon sa. Mais bon côté à côté sous côté fik kon sa yo. Monsieur mes secret pour fire mais respecter ou. Sou pa mette madame en premier dans la vie ou first dans la vie ou qu'on dit en anglais a dit pa gen ou madame k'ap respecter ou. Pa gen garçon ou pa mette madame ou first dans la vie ou
pour le respecter. Pas bon garçon qui pas chouchouter parce que Jésus voyait femme nan même pour Marie le remel. C'est ça le dit. L'elle dit remel, remel c'est pas le fait sexe sous cabane nan. Tant yon fille, ça c'est secret fille. Ou a chouchouter madame ou c'est ou pas besoin pour le dire respecter ou. Quand ni tout fait comme si c'est notre tête palais pour le mettre ou parce que c'est tellement cher parce que ou fait walou. Tant fien la plein, li wè l'autre nèg kap chouchouté madame yo, ou même sou met se même chè ou pap dil, même ou pap kembel, ou pense le pral respecte ou, moun sa toujou sou les nerfs, parce que la chèche ou bagay, l'autre jour la ma panse ma roufi, fien me senti ki mise la passe, mais si mes amis, pas mou chèche ou pa ka jouen, même ki sou met se comme si marim, même chéri, il va te ka dim, tellement bagay la fè fien mal, et sou pral pense moun sa, ki toujou sou les nerfs sa, pour le facile respecter ou non c'est pas merde non l'abdou c'est pas foot l'abdou non c'est pas moucher l'abdou non mais il pas mettre en l'air ça c'est en secret fi si monsieur a besoin madame yo respecter ou pas douce pour un fils avant au monde qui stupide qui toujours dit bêtises non mais ça c'est secret fi et l'autre bagaille toujours passe ou parler de les monsieur non jouer domino le madame yo relé yo et pour pas fréquenter n'importe monde me veut dire moi même m'appuyer sur audience 100% c'est pas seulement mon monsieur a jouer de domino gain plusieurs garçons haïtiens leur on smart famille en ak famille yo yo pas traité madame yo même gens avec leur ensemble avec madame yo. Toi pour faire famille au plaisir. Amen, ça d'aller. Amen, ça d'aller. Non non, m'a pas en général, m'a pas non ni général. Gefin même gens tout pour faire famille au plaisir, yo pas traité Mario même gens en face. Enfin, les familles. Comme si c'est derrière de ma famille yo, yo chouchouté. Madame yo le famille yo elle n'a pas t'arrête ton côté comme si pour être famille yo là égal c'est pas seulement troisième bagage toujours passe m'admirer encore non sujet toujours culture garçon haïtien permettre madame yo pas qu'à joindre mari raison si yo vini là, y a le travail madame Marie, y a le travail. Même pas de ça personnellement même. Marie a le travail madame, a le travail. Coutume haïtien, li vini le coucher, la regarder télévision, la pli. Comment vous fils ça pas faire bagarre avant na soir. Ou ne pas plein, il y a 50,000 jours, il pas faire bagarre avec. Chaque jour fi a sous les nerfs, chaque jour fi gil maré, fi gil fin dit tellement fi gil maré. Ou pas aider, li senti pas gain love. Ça rele remé pas gagner, li pas li pas souffert l'amour avant, li pas respecte tout. Ouvlo pas vle moun sa pas respecte non. Déjà pour on te pour monter sous cabane on vient pour manquer ou li, pas même. Ça déjà pour on respect oui. Pas même. On ça fait le doux pas même comme ça. Toute la bourrique là ou même on coucher sous dos et puis ouais c'est bagarre haïtien et puis nous tout de son travail. Pour pas m'excuser mes amis, mes questions connien. Non toi toxique ou parler de isolement. Isolement, on considère le physique. Là, on prend une cabane, l'autre la prend cabane en danger. Dans le langage en médecine, depuis on dit toxique, oh danger, emergency. Égal pour ni foyer en tout, c'est emergency. Ou parler de coldness, même moi je voulais parler de. Yo qu'on dit, est-ce que coldness ou parler, c'est cold shoulder. Là, on dit mon nom. Exemple de cold shoulder m'kapran et ou ap jwenn yon mari la ou yon madame qui gon façon quel que soit li pa gen problème avec madame ni ou bien li pa gen problème ensemble avec mari son problème la vie kap tourmentel son bagay ki pa fè le plaisir son bagay ki pasel li vin nan kay lan li bay madame ni cold shoulder ou bien li bay mari a cold shoulder bagay la tellement fè en pile fois li vin rete comme habitude nan li cold shoulder mais comme pour mari Mariani vinil pa vinil fonti li vinil fonti chouchouter madame nan li paraît saluer le bagatil la da et comment y est là et darling homme bien obnel et obnel gen manger gen me fait manger sac pied là serre pas le bail ko soldat qui pa bail ko soldat et ben me fait manger oui
ou ap manje? Oui, m'ap manje. Fini. Pas bien deux paroles ensemble avec elle, ensemble avec ça. Pourtant, c'est pas moun qui en face moun nan qui bat le problème. C'est pas lui qui connaît le fait un yé qui mal. C'est moun nan qui vient mettre ton habitude dans lui. L'el gen problème, li bay madame Nicole Scholder. Comment ouè problème ça, te ka résoudre? Parce que pour moi-même, moi trouve Cole Scholder ça, c'est même Jacques isolement. Isolement, c'est physique là, ou pren carbone ou allons l'autre côté. Mais Cole Scholder, ou non seulement ou couche sous même carbone ensemble avec, parce qu'on a un problème dans la tête ou ka bravage, bon, ou sous bêtise ou pas ka lever. Et oublie ou pas calé pour moi ou dis-moi ou vini là ou comme si m'pas existé pas gain chouchouté pas gain rien comment trouver col shoulder ça comment problème ça ca résoudre non foyer que le pour madame que le pour mari cap vivre moment ça. Dr. James, you want to answer Dr. James? Well, pas que tu m'as pas answer, but I could share some thoughts. Okay. On that, Sister Elon, that was amazing. Parce que au fond l'autre présentation encore, on tout fait la présentation pour semaine prochaine. Thank you so much. Maintenant, et ça me devait ajouter, Sister Elon, je pense que gagner deux concepts qui est très important. Je pense que Pastor Hans parlé de eux, mais probablement un petit peu différent. Premier bagage, c'est Rylan, c'est ça, c'est l'intention. Intention. Ça veut dire intention. Oh, c'est darling. Intention. Deuxième bagage, c'est ça, c'est l'awareness. Ou bien ça me dit, on me dit, qui conscience éveillée, ou bien on me dit, qui est awake. Le plus souvent, moun kon viv nan trois états. Premier, c'est moun nan viv without intention. Ça veut dire moun nan leve matin, li avance, une famille lan, yo a viv, mais li pa gen ken intention. Ça veut dire pa décide ki jan vle jodi an ye. Ok, ou m leve jodi an, ki jan vle jodi an ye nan famille mwen. So, lò viv ou pa gen intention sa, ou leve ou just pete kouri, le konsa tout sa krive ou, wap gen tout chans pou pote la kalan direk. Paske ou pa gen intention, ou pa deside, me jem ta avle trete madame mwen jodi an. Me ki sot de jounen ke mta ame madame mwen gen jodi an. Sa se premier bagay. Deuxième bagay se awareness lan. Ou konen gen moun, yo viv, se ta kouson on moun ki yon zombi, li gen doit fè de domaj ki vreman grav nan famili, ou bien nan moun ki bo kote, pati li pa realize sa. So li just viv lan tant que c'est on sort de li rentre sorti de yon l'autre situation à l'autre situation sans que le pas réaliser que l'entrée là-dedans. Bon exemple, par exemple, ou après que et l'homme ou vivre en vie quand gain awareness ou apprendre tout pour faire différence avec différents frame qu'on rentre. Par exemple, ou moi qui se travaille normalement toujours fait ça l'homme ou se travaille. Ou après, je toujours fait un petit temps dans la machine, je n'ai pas jamais entré. Je n'ai pas fait un petit temps. Dans le moment, ça essaie de dire que je suis côté de mon et permettre que je suis l'autre intention pour côté de mon entrée. Ça veut dire qu'on est avancé. Pour que je dise que oh, I'm leaving work now. Release work, and then I reset myself. Tout now, I'm resetting my entrée. Oh, je besoin de me rentrer dans le cas là. Je voulais que pour que je acknowledge. Et my spouse, je voulais que pour que je me connecte gentiment avec Timonio, faut changer énergie. Sans ça, je sorti dans le travail, je ne pas la machine avec même énergie de travail, stress fâché, ça qui est passé. Je m'entrer même si la même énergie, je suis pour occuper personne, je suis pour répondre mal, ok? Parce que je toujours été dans l'énergie. Ça. Demain matin encore, si que les journées pour commencer, m'a pas dit bon, reste cette intention pour journée, m'a continuer même l'encore. C'est comme ça qu'on voit on monde gain va stock dans énergie du fait que li gain bail mal qu'a passé li gain bail difficulté qu'il a fait face à lui-même côté que li briser li rend tout l'autre monde dans peine inconfortable sans que pas même réaliser que l'a fait mon payer ça pour sans l'a fait mon payer. So, demander un petit training de conscience. Demander pour que nous cette intention chaque jour, chaque moment,
Ça veut dire avant même qu'on rentre dans caillou pour que si c'est fort dit et tout mais j'aime d'aimer pour que madame même pas rentrer qu'on est là mais j'aime d'aimer pour expérimenter et faut que vous même on maturité pour réaliser que vraiment hurt vraiment upset mais c'est pas madame moi cause ça oh c'est pas mon qui cause ça et intention que me gagner ou bien redevance que me gagner même c'est que j'aime pas arrêter en tant que papa en tant que mari pour une responsabilité pour mener on sorte d'énergie dans cala pour mener on connexion dans cala me gagner pour noter ça qui passe dans cala pour noter travail que madame fait so il demande un pile contrôle d'émotion pour que capable shift de une à l'autre bien l'autre technique que l'autre monde utilise côté que yo rentre yo con tande en pile l'autre santare les affirmations côté mon dans tête li des choses qui renni c'est donc ou sent tout négatif ou sent tout down but ou obligé dit tête ou on se débat positif pour relever moral ou donc dans situation ça ou en tant que famille l'on un comité de tout bien nice husband ou comité pour un monde qui bring joie qui bring love qui bring connexion donc l'on en top situation ça ou obligé reset that emotion pour qu'on capable mener côté oublier pour qu'au moins qu'a bonne chance pour que impact l'environnement grave sur l'autre monde sans que c'est pas faute par eux. So that's what I wanted to contribute. Yeah, very good, Dr. James. On l'autre petit bain qui avait ajouté tout petit, Dr. James déjà by toute réponse là et nous dit merci pour ça. Et seul bain de capable dit songez que à tout garçon nous voulait dit bagay ça. Songez que intentionnellement nous pas remet partager. Or, pile bon monde, bon Dieu, bon nous, pour nous partager ensemble avec elle, c'est madame nous. Parce que la Bible dit, I will make you a suitable helper. So, the best person to speak to, spécialement les bagages arrivés dans la rue, dans le travail là, ou bon souci dans la tête ou. Puis meilleur monde pour partager, c'est madame. Mais songez, mesdames, les maris vont partager ensemble avec vous. It's okay. Créer environnement ça, à ce que les capables sentir les safe, insecure, pour les capables share with you with no judgment. And I think women are healers. So you can aider Mario en pile en pile. So à côté de ça, Dr. James Dia, capacité pour nous créer dans foyer to share and even to share the day jokes let me tell you bon font petit tripotage avant bon bon bagage and things like that it's good to create this dynamic in the home les bagages you read pour mon ka exprimer exactement qui ça sentia meilleur monde pour le faire à madame ni ou bien mal. Merci, pasteur. Nous croyons que nous avons Rose Guylaine Charles. Et avant, nous avons profité pour nous saluer tout le monde qui fait monter. Nous avons sur Safe Zone et nous avons parlé de mariage fondation. Parce que nous avons parlé de trois bagages qui peuvent faire mariage marcher. C'est connaissance, sagesse et compréhension. Et nous croyons que c'est Rose Guylaine. Mais avant, nous avons Rose Guylaine. Nous avons tout profité de que le Center for Family, c'est un 501c3 organization. So, nous pas ça n'a fait à la nous pas toucher pour lui, mais nous estimons tout que vous comprenez la valeur, ça n'a fait à tout. Et vous toujours dit, l'homme a valorisé un bagage, il prouvait ça avec un pile bagage, avec l'argent en poche, li, avec aider l'autre monde tout pour faire promotion. Li. Et vous capable de faire laisser une famille en cadeau, parce que nous sommes arrivés à un moment que, côté que le monde sait qu'il parle pour nous bailler un cadeau, tout, parce que Pasteur Théaville, Dr. James, tout le monde s'est parlé de nous. Il n'a pas demandé nous 5 ans. Mais il est important tout pour nous montrer tout que nous apprécions ça. Ou qu'elle nous aujourd'hui, même à soi, à la même, dans 561, 568, 98, 77, 561, 568, 98, 77, ou qu'elle nous cadeau. Parce que nous avons arrivé dans un moment côté. Le monde s'est venu parler parce que le monde s'est touché en pile, les aller dans l'autre environnement. Pour qui ça nous-mêmes, comme si nous n'avons pas qu'à bailler au cadeau tout. Mais c'est là nous t'arrivé. Aidez-nous faire ça. Contribuer avec The Blessing for Family. So, et nous apprenons Rose Guylaine. Après ça, nous question dans le chat là. Nous tournons sur les gens qui posent des questions dans le chat là. Et nous, we want to acknowledge you. So, et puis, nous apprenons Guylaine et après ça, nous tournons sur.
Rose Guylaine, moi, vous êtes longé, mais moi, salue nous, dans le nom de Jésus. Moi, remercie la conférence et âme vraiment béni à la gloire de Dieu. Et question, alors, c'est pas une question, non? Nous avons des pasteurs qui ont dit que les deux mondes mariés, si il y a un problème, si c'est un monde qui a prié, prier là, soit le pape monte en bas comme ça. Bon, je souhaite qu'elle te quitte un petit ouverture parce que moi, qu'on a un cas, côté que madame et monsieur, tous les deux ont un problème et les regardent, c'est un monde qui vraiment problème. Nan. Et puis, ça qui gagne plus maturité, qui plus comprendre dans la prière, ou bien demander l'autre monde aide de la prière, c'est gardo, ouais, puis cet esprit bon Dieu font travail dans que l'autre là. Moi, connais gagne de cas comme ça. D'accord, et pas parce que je suis pas d'accord avec lui, non, même te souhaite que il te quitte un petit ouverture, parce que moi, connais gagne de cas comme ça. Et ceci, il y a plusieurs cas comme ça, côté que yon a moun yo gen problème. Et puis tout ça mon n'a fait rien pas qu'à marcher là dans la prière et puis c'est garder le ouais bon Dieu changer la vie mon. Deuxième ça m'a dit qu'ils sont comprendre que de deux monde qui vivent mais deux monde yo une remet l'autre réellement mais gain yon nan moun yo côté que ou en pile fois gain discussion entre yo c'est parce que ou gain yon nan yo qui très incompréhensif comme si on bagarre discuter sur nan nord mon gain dans sud ou son moun compréhension bas qui sort comment on peut gérer une situation comme ça parce qu'ils sont comprendre de ça. Merci mon Dieu béni. Oui, merci sœur Rose, merci pour lumière que vous fait jaillir sous intervention nous tout à l'heure là. Certes et d'accord avec vous, moi même personnellement il fait face avec ça et tout côté que une jeune gain difficulté dans mariage là. Mais et yon nan yo li plus fervent dans la prière, li plus kwè passer l'autre là et puis li entre dans prière et puis l'esprit de Dieu agit. Mais ça m'ta parlé tout à l'heure c'est lorsque ou genyen yon nan yo qui catégoriquement opposé ou dit le counseling li dou non, ou dit an aloué pasteur li dou non, ou dit an nou prier li dou m'pa prier. Ça li ou pas capable réussir avec yon moun qui pas en accord ensemble avec ou. Mais sou jwenn yon moun qui dit ah beaucoup paré malé même ka aller un jour même beaucoup paré ou dit là nous prier li dit OK m'pa konn prier mais ou met prier m'ap suivre then ou gagne on sort d'accord ou gagne un consentement avec moun nan pour bagay la, yo gen difficulté, mais moun nan simplement pas konnen li poko kwen nan ki méthode pou le passé pou pote yon solution. Mais lò jwenn yon moun ki catégoriquement pas d'accord ensemble avec ou, quel que soit sauf les faits pour réussite mariage la, nous opposer là ou te met prier 10 000 fois, ou ap réellement, réellement pas ka réussi. Et on dit ça parce que il y a un pile monde qui kon rive dans dimension qui a condamné bon Dieu, il a douté bon Dieu, il a questionné est-ce que bon Dieu existait puisque bon Dieu pas qu'à résoudre problème mariage ça. Et on veut réitérer encore yon couple que yon nan yo totalement opposé a fait effort pour la réussite du mariage, mariage ça a pas réussi. Mais sous joine yon sorte de consentement mais moun nan pa konnen ki moyen ki méthode pou l'utiliser pour la réussite et c'est moins konnen den gagner chance pour capable réussir avec l'aide de la prière lorsque moun nan pa opposé à la prière. Non, alors c'est Guylaine, est-ce que vous satisfait de réponse là et pour nous avancer parce que nous gagnons une question dans chat là tout. Est-ce que vous satisfait? Bon, je suis fin satisfait. Bon, c'est pas mon problème. Dernier bagage que me t'ai dit, il faut qu'on dise rien sur ça, par contre s'il blie. Vous rappelez-moi encore s'il vous plaît. C'est vous plaît. Vous rappelez s'il vous plaît. C'est aussi là, you on mute. OK, excusez, oui.
Oui, m'a fin d'accord avec pasteur. Pour ça qu'arrive, m'a fin d'accord net parce que moi connais que cas que moun comme si m'ta dit son cas perdu. Ou Maria ou bien madame son cas perdu. Mais la prière bon Dieu gen bagay extraordinaire li fait. Moi entendre des témoignages sur ça. Ensuite, dernière question que m'te posé c'est que deux moun k'ap vive, yon renmen l'autre. Mais en pile fois gagne discussion c'est parce que ouais youn nan moun yo compréhension très bas comme si là youn nan yo parle avec l'autre ou senti que gon problème moun nan il gon problème de compréhension pas jamais ka comprendre rien nan rien qui soit comprendre de ça si vous voulez vivre avec moun nan faut descendre et nan niveau pas qu'à essayer même comprendre nous. Essayez de comprendre nous. Lors, essayez de comprendre au monde qui pas qu'à comprendre, ça veut dire que vous venez rendre tâche là plus facile pour lui. On dit que, par exemple, mon client qui a parlé de madame ni, il dit, parce que lors avec une fille ou avec un monde, et puis mon nan fait tel bagay comme ça. Et puis il me pose la question, il me dit, who are you talking about? Il dit, ou avec un monde, et pourtant c'est de madame ni qui l'a parlé, il faut que j'aime adresser sujet madame, il passe tout côté, il a parlé de un monde, etc. So, this person, pour comprendre ses langages, ses façons qu'il parlait, s'il parle Port-au-Prince, il passe dans tout pays, dans toute la rue avant l'arrivée. Il était prendre route nationale numéro 1 pour l'arrivée, mais il pas prendre route ça, il passe tout côté. C'est la personne, ses façons ça le communiquer, ses façons ça le comprendre les choses. So, ou même ou essayer ou est sou capable comprendre ni pour vivre avec elle moun ki grand que li essayer comprendre et moun ki pi ba so c'est ça m'te capable di parce que sou a essayer ou est sou ka rale moun nan pour entrer pour vivre nan niveau que ou a peut-être li gen wa jam pas atteindre dimension ça. But if you meet the person where they are, and that's what God does for a lot of us, he meets us where we are. So sou rencontre moun nan kote li a peut-être yon jour que ou ka rive communiquer avec elle mieux, ou ka rive partager avec lui mieux, ou l'on rencontre avec lui kote li a. So that's what I would say meet the person where they are, but don't try to bring them where you are. Okay, now so was Guylaine na be nou konnen ke et pa oublier. Et nous gagnons l'autre monde, nous apprécions quand même. Madame. Et alors, bon, vous qui voulez son bail. Moi, saluer nous tous d'une façon spéciale encore. Donc, sous question sur Rose Glenn, posons question sur les tombes. Bien content sur Rose Glenn, poser là encore. Mais cependant, moi, je crois que. Je me félicite, pasteur, d'une façon très spéciale pour l'intervention ça que il fait. C'est quelque chose extraordinaire. Et moi, en plus, nous bénéficions de toutes belles points. Je n'ai pas pris le temps pour me tourner sur plusieurs bagages, donc je suis satisfait en pile bagage. Mais ce point, ça m'a battu. Pasteur Terville, d'arrêter. Je ne comprends ça, je connais peut-être la pratique parce qu'on a plus de pratique dans le domaine ça. Mais je me croire dans un mariage, certainement, car une situation arrivée, il y a un monde qui a besoin de fight quand même. Parce que c'est une bagaille, si on a fight, au moins le mariage ça a ressuscité demain. Je connais si toutefois, on n'a pas en harmonie qu'un problème. Cependant, si on a un monde qui a crié devant bon Dieu, qui croit mariage là-dedans, il doit être là-dedans. Et ni quoi bon Dieu, me pense bon Dieu qu'a fait une intervention pour changer cœur monde là. So, me quoi ça forcément, fortement. Bon Dieu, s'il qu'a fait une intervention, et me quoi un mariage qui fait net. C'est un mariage côté pas gagne un monde qui fait pour lui. Nan car qui pas un grand monde qui campe pour mariage ça. Bon c'est Satan qui a venir côté bon Dieu pour dire bon Dieu. Ça bon parce que ça pas gagne pas un monde, tout monde rail, tout monde pas besoin qui besoin. Donc, mais si nous, au moins, quand on peut devant mon Dieu, parce que mon Dieu, ça fait grâce. Côté que mon autre monde l'a touché et que mariage ça, il restauré ou encore, il revive. Oui, nous. Donc, ça, et puis tout, m'a pas retourné encore. Bon, c'est d'aller faire une belle intervention, mais cependant, mon côté, il dit que, pour mes amis, il y a une première place là, je pense que c'est son
C'est pas ça, je pense que c'est pas ça le dit net, même pour des types de solutions, ça, vous comprenez, même pense que c'est, nous disons ça dans les scènes familiales, ils connaissent ça déjà, c'est bon Dieu, première place là, et puis conjoint vient en deuxième place là. Donc, et puis tout le bagaille en troisième place. Mais nous mettons bon Dieu en première place, parce que bon Dieu doit être en première place. Même pas parce que c'est d'aller nous connaître bon Dieu par la première place, non? Même parce qu'il a parlé directement peut-être dans la relation mon amour pour mettre la première place, même parce que bon Dieu qui est en première place. Ça, c'est son intervention. Bon Dieu bénis nous. Merci, et frère et pasteur François. So, et actuellement, nous avons un dossier dans même que qui consacre. Jean Emba ou là, il m'était quoi à 100% dans la puissance de Dieu, dans les miracles de Dieu, l'intervention divine, mais aussi et j'aime comprendre le mariage, les antigens différents. Parce que mon dossier concerne là actuellement, I'm dealing with, que m'a aussi aidé Younan Mounio prier, mais m'arrivé non niveau ma bonne illustration, hein? M'a aidé madame nan prier, m'rele Maria, m'dil ah nan jan dimension bagay yo la. Et si m'ta vini nan kay la, m'fon prier. Et si m'ta prier avant, et si moi avant, men to men, m'fon prier. M'se dit, ok, pas, m'a fort konne m'a prelo, ta gen 3 mois. Et puis, genye l'autre moun nan environnement ki soti, by m'se surprise. D'aller en embuscade de prière. Au lieu que lui recevoir prière là, lui jouer madame non mettez sous lui à cause moun yo te vini, yo bal embuscade de prière là. Parlez non mariage comme ça. Ya, généralement, parce que son diable, parce que lui pas bien place lui. Mais nous connaît. On nous croit que la puissance de bon Dieu qui a fait un bagage, il est capable de réussir à 100%, mais il y a 70%. Il y a des témoignages, comme ça, il y a des témoignages qu'il connaît. Côté bagage, il a écrasé net, mais il y a un accompagné qui a été gémi devant bon Dieu, qui a jeûné, qui a prié, et que le Seigneur fait intervention. Oui. Mais quoi, l'intervention de Dieu est possible. Même lorsque personnellement je fais face avec ça tout côté que moi la manifestation l'intervention de Dieu dans yon mariage qui va aller en décrescendo et bon Dieu on coup de guidon tellement fait expérience là moi arrivé dans tribunal avec mon yo couple là yo paré puis al signer papier divorce là. Et puis, on font un petit la veille, on dit, est-ce que nous pas tabay bon Dieu en chance? Et l'Éternel intervenu. On te poste ça sur Facebook et everything, côté que, inside the court, non, pas de yon porte tribunal là, de yon et cabinet juge là, on sorti de yon à ma prière ensemble avec yon. So, I posted that on Facebook and everything. So, I've seen the move of God this way. But, ça m'a prouvé à soi, je ne veux pas que personne n'a prié pour condamner bon Dieu, pour dire bon Dieu pas bon Dieu pas puissant, bon Dieu pas capable. When you dealing with a spouse that reject the power of prayer, if the spouse rejects the power of prayer, and then mon arrivé dans une dimension que mon cap prier pour lui. C'est ennemi que yoye, it's gonna be hard to restore. Yeah, I know it's hard, but still kage yon bagay, parce que yon de kout gidon, yon ka fèt, et la fèk yon blan kouwaje, quand même, si yon de moun ki nan li, comme si kage yon situation comme ça, mbab le yon de kouwaje, because yon de situation, yon de still kage yon bagay, yon de division, feel pas, yon kado sa. Yeah, yeah. Mbab le yon de 100%. Mais je vais quitter quand même une possibilité parce que le Seigneur a fait une possibilité. Il est le Dieu de la dernière seconde. Yes, yes.
I'm 100% with you. I'm 100% with you, Cass. Thank you. But what my presentation today about save the marriage before it gets to this point. Okay. Because pas quitter le rivé dans dimension ça après ça. Condamné et douter bon Dieu de ça ne t'est capable faire en dans mariage. Amen. Bon, nous remercions tout le monde pour la question. Et nous arrivons à un moment là. Bah là, bon, c'est vrai, mais nous prenons libre là. Parce que généralement, nous devons finir à 9h30. Nous comprenons ça. Nous apprécions même patience. Mais nous avons une dernière question qui est sous chat là. Et Mounsa a dit que any advice for a spouse that is close-minded and dismissive and as you relate to respect? Would like to have a little bit more elaboration, but est-ce que c'est qu'est-ce qui close-minded là? Any advice for a spouse who is close-minded and dismissive? So, pasteur Amadé, une petite clarification, ou même sister qui voyait chat ça. Alors, bon, ou still gain choix pour parler. Tell me, if you get sou comprendre ni tu question ou ka formuler le pour moi en l'autre façon tu oui j'aime comprendre just want to make sure I understand the question. J'aime comprendre li pour moi li dit que si partenaire a lui-même a fait respect à lui il pas veut comprendre ni parce que il dit que for a spouse who is close-minded and dismissive as relate to respect. So ça veut dire un mot comme si ça doit faire respect à, ça pas rentrer dans logique pas. L'autre monde lui-même. C'est ça, dans ce sens, ça me comprend. OK. So, any advice, comme si t'as dit pour un monde, comme si t'as dit, concept respect en lui-même, ça va rentrer dans. Ça va rentrer dans ce qu'on a parlé de connaissance. Li. Well, that means that somebody who does not want to grow, someone qui pas voulu grandir, qui pas voulu faire effort. Parce que respect, frère l'ami, c'est moi. C'est une valeur de moi-même. Là, on dit, oh, un tel fréquent, qualificatif qui m'a lié, c'est l'autre monde ou bien moi-même. Si on dit, pasteur Hens fréquent, qualificatif ça, c'est moi. Si on dit, pasteur Hens respecte moun, qui est-ce qui gagne qualificatif ça? C'est une qualité que moi gagne. So, to respect somebody, it's son qualité de moi. Pour me capable un monde qui respecte moun, c'est une qualité que moi gagne. So, si un monde close minded, il ferme tête, il pas veut parler, comprendre bagaille respect, mais il pas veut respecter personne. Ça veut dire son monde qui pas veut vivre, son monde qui pas veut dans relation, son monde qui pas veut être humain dans la vie, il pas veut grandir, il pas veut montrer et monter valeur parce que respect c'est valeur que moi gagne en acheter with people. OK, merci. Donc, parce que nous pensons que nous apprenons un dernier commentaire de la part de vous-même. Et surtout, parlez-nous de ce mariage-là, qui ça nous a fait, qui travail nous a fait. Et puis, font-ils parler encore en conclusion sur le programme ça qu'on a fait. Et tant pis, pas hésiter, tout bas, mon information si vous avez besoin de connecter ensemble avec vous. Merci. Yeah, thank you for the opportunity, Felami. Thank you for the opportunity to everybody who connects tonight. Tout le monde qui connecté, tout le monde l'aime, cher, yo, qui vient en monter brou en bas et connecté ensemble avec nous. So, nous remercions tout le monde qui était intervenu d'une façon ou d'une autre dans la présentation à Soya. Merci pour question, yo, intervention, yo. Tout est noble et nous recevons, yo, en grand gens. So, nous disons grand merci à l'Estin for Family qui toujours pensait de nous-mêmes pour chaque fois que moment opportun arrivait pour nous capables de partager ensemble avec. We are passionate about marriage. We are passionate about the foundation of marriage and we believe that marriage is divine. So, nous pas mariage pas un jouet, mariage pas pour petit bébé. Mariage c'est pour monde qui sérieux, qui connaît, qui bat les valeurs et qui
connaît importance relationship. So that's why we do what we do, because we understand how valuable marriage is. And marriage, c'est yon nan bagay ki aide nous pour nous capables de grandir dans la relation que nous doyons. So every year, we continue to serve the community. Nous gagnons un show que nous faisons sur Facebook chaque lundi soir à 7h dans Facebook avec YouTube. Et vous capable joindre nous on the Save Marriages Ministry. Et à part de ça, de temps en temps, nous faisons séminaire, nous offrons séminaire localement Orlando. And if you need us to go to your church or share with you, pour nous faire présentation et séminaire, we do that. And we do marriage counseling. So, si vous besoin d'aide, support avec mariage, we help you with that. And also, once a year, we have a marriage conference. So, côté que nous rassemblons le monde tout partout, de toute langue, toute nation, tout peuple, et tout langage que nous parlons, nous rassemblons in one location, in one place for a beautiful marriage conference. And this year, it's going to be in Delray Beach from June 8 to the 11th. So, c'est dans 8 juin à 1 juin. Si vous regardez l'écran là, vous pouvez projeter le téléphone sur QR code là, et puis vous pouvez prendre et immédiatement page registration la monter et puis on va voir toute information how to register and things like that. And most of all, si vous besoin plus questions et information sous conférence pour mariage là et l'autre service que nous offrons pour consolider mariage, vous pouvez contacter nous dans 321 231 1154, 321 231 1154. C'est là où on peut joindre nous et pour nous capables de répondre aux questions ou whatsoever you would like to discuss with us. We are here and we are passionate and excited to see marriage prosper. Nous disons merci, pasteur Pablier, et n'a tout profité de ce temps, mais et nous t'aimons tout le monde qui l'a écrit nous pour dire nous qui sont passés de ces zones, qui sont aimés nous faire. Et nous t'aimer tout sous t'aimer participer dans groupe là, ou t'a venir faire partie de network ça. Ou ka écrit nous dans lsfministry@gmail.com, lsfministry@gmail.com, et nous t'apprécier qu'on voit email ou ba nous pour nous capable communiquer ensemble avec vous. Et lsfministry@gmail.com, lsfministry@gmail.com. tant coup tout, nous t'apprécier que ou commencer ba fait nous sentir cœur dans mouvement ça ba contribuer avec contribution, et nous penser que et nous fait mettre numéro à pour sous chat là ou capable zèle nous à n'importe qui moment, et à 561 568 98 77. Et pas oublier n'a tourner encore dans deux dimanches, et pas oublier nous fait commencer avec Fondation Mariage. Nous espérons que vous enjoyez ce moment. Nous demandons autant prix pour inviter de trois monde afin que nous triplions le nombre dans cette plateforme. Et pour nous finir, nous demandons Pasteur François, pour nous généralement nous faisons prière de couple. Nous demandons Pasteur François pour faire prière ça pour nous. Et c'est sous Nabdou. Nous remercions nous tous pour présence sous. Et nous attendons encore dans deux dimanches. Pas oublier, non seulement vous-même, vous venez inviter l'autre monde. So, nous apprécions là, ensemble avec nous. Pasteur François. Yes, juste avant que nous prions, on avait rappelé que tout le monde est dans retraite de famille qui date bien 19 au 22 juillet. Donc, Pasteur Terry, là, ensemble avec nous en Chernos, sur un pile monde qui a bien chance pour nous chiter, pour nous poser des questions, continuer à brasser l'idée sur les affaires mariage, parce que nous avons une seule devise, ouais, que nous réussissons dans le mariage, nous, ouais, que y a moins de monde qui divorce, bien sûr, parce que bon Dieu voulait que nous retenions dans le mariage, non? Et le mariage, c'est l'affaire de Dieu. Donc, nous devons respecter ça. Merci en pile. Merci pour cette interview. Merci à chacun de nous qui est branché en un moment ça. Personne ne bénit, non? Nous glorifions, non? Nous exaltons, non? Et nous devons merci en pile pour son face, son continue de faire. Merci d'une façon très spéciale où tu as utilisé en serviteur ou par cette interview dans l'intervention qu'elle a fait sous un mariage. Donc, nous comptons pour toute connaissance ça qui était partagée ensemble avec nous. Et nous croyons, Seigneur, ça nous tendait à croire, c'est des choses non seulement n'a qu'imbé pour nous, mais il n'a également partagé à l'autre et encouragé à l'autre
puis on était dans mariage. Donc, merci pour chaque couple qui était là, soya. Merci pour chaque famille, merci chaque monde indistinctement qui n'a pas participé. Nous sommes à prier au bon Dieu, parce que vous avez plus de connaissances pour être capable de partager, comme on est dans la parole où Dieu, on donne à celui qui a et il sera dans l'abondance. Donc, nous croyons pour balayer encore davantage de connaissances. Et nous-mêmes, pour nous plus de connaissances encore, pour nous avancer. Chaque monde qui a besoin qu'on ait plus de connaissances toujours dans le mariage, et lui a réussi là-dedans. Nous prions pour les sœurs familles, nous prions pour chaque monde qui fait partie comme ça, et chaque monde qui va rejoindre nous, et chaque monde, tout, Seigneur, qui fait de femmes, de les sœurs familles, de cette zone, il y a un moment pour nous capables d'apprendre ce mariage. Nous prions pour toutes les compagnies, nous prions pour des compagnies qui ont struggling dans le moment ça, Seigneur, afin qu'ils soient capables de porter leur force, porter qui choisit pour eux-mêmes. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables de regretter bon côté, aidez-nous passer une bonne semaine. Aidez-nous dans la semaine ça même, Seigneur. Dans la semaine ça même, après une belle conférence comme ça, après un bel moment comme ça, pour nous sentir, Seigneur, pour qu'il y ait une différence qui gagne entre nous dans la relation, pour plus de respect, plus remède, plus compréhension, plus en sagesse, plus affection, plus bagaille comme si, pour mettez-nous ensemble, Seigneur, afin que tout poison pour mariage là, capable de détruire dans la nous, toute toxication pour mariage là, détruire dans la nous. Donc, comptez sur vous, Seigneur, nous avons fait plus que demander, nous prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. All right. Bien, merci, bénisse. François. Et merci pour tout le monde qui a participé et ensemble avec nous. Nous contents que nous avons gagné sous cette zone. Pas oublier, et vous écrivez-nous, s'il vous plaît, dans rsfministry@gmail.com. Et donc, nous t'aimons étendre et nous t'aimons parler ensemble avec vous. N'a pas rencontré encore dans deux dimanches, pas oublier, inviter des amis, inviter des familles, pour y'a venir béni, même si on te béni à soi. N'a pas oublié, si on a besoin de visualiser, regarder, ou bien retendre, et faire un autre ami, tendre, et c'est sur ça, moi pense que nous avons enregistré, donc il est capable de partager lui. Donc, mais il a partagé, il n'est capable de pas gagner au monde, même lorsqu'il est monté ce groupe-là. Là. Donc, moi, il n'a pas café, il est capable de toujours envoyer un texte dans l'email président Saud Baila. Et comme ça, il va joindre, nous va envoyer un link pour qu'il puisse toujours garder vidéo ça, soit sur YouTube ou bien sur Zoom encore. Moi, je bénis. Oui, tablier, c'est rsfministry@gmail.com. Là, écrit nous voyons email ou nous sont façon de communiquer avec vous tout. N'importe question tout et puis tout n'a qu'à connecter tout avec Pasteur Terville qui a fait un travail extraordinaire tout en tant que thérapeute et pour famille. Donc Pasteur Terville, nous te remercions et remercions madame qui était bon opportunité pour te passer petit temps ensemble avec nous. Nous remercions tout le monde qui était sur plateforme là. N'a point encore un deux dimanches avec Fondation Mariage, c'est ce n'est qu'un commencement. Gain plus connaissance qui peut le partager toujours sur sujet ça. À la prochaine. Thank you.